un OTR. Choix de carte, miracle. C'est ça, choix de map, miracle. Ça fait peur, étant donné qu'on connaît Nacho-Jin, qui a une très, même encore plus de très bonne Sonya. Sa Sonya est juste excellente, on l'a vu justement. Alors c'est en phase de pool, où il a vraiment hard carry avec sa Sonya. Et il me semble que... Alors c'était pas lui, c'était Genji justement, juste avant, qui a joué de la Sonya. Mais attention à ça, hein. Nacho-Jin pourrait faire très mal ici sur cette carte. C'est beau, eh oui, c'est beau. Alors je sais qu'il y a des Français, Enfin, des Français qui sont présents là-bas, et j'ai vu des petites pancartes. Et au passage, la pancarte d'hier qu'on a vu bleu, blanc, rouge, c'était bien des viewers, justement. En tout cas, Garrosh de ban par Digg. Et oui, évidemment, cet homme que vous voyez derrière le PC, mais on voit que les cheveux et les yeux, JPL, c'est sa dernière compétition dans le circuit. Et on veut le voir partir avec un titre de champion du monde. Ce serait le premier Français à soulever le trophée. En tout cas, Garrosh et Genji de sortie par Dignitas. Maiev d'enlever par miracle. Et ça me rassure. Parce que Sniper sans Maiev, il m'a fait très peur hier quand même. Hein. La Tempest sans rappel. Hein. Il y a encore des dents par terre, je pense, sur la scène. Les dents de certains joueurs de Tempest, malheureusement. Diablo, en tout cas, de ban. Ouais, on a vu que Digg l'aime beaucoup. First pick, Tyrande pour Zaelia. Ouais, Tyrande toujours aussi forte, même si elle a eu un peu plus de mal sur le BO précédent. Ça reste le top pick support pour l'instant. Alors après. Je vais quand même vérifier quelque chose, mais je crois que Karazim est juste un winrate explosif à l'heure actuelle. Mais c'est un héros qui est bien plus situationnel que Tyrande. Et il me semble qu'il est dingue son ratio. Mais, et je crois qu'il est joué par les deux meilleures teams du monde aussi. Dignitas et Genji, en tout cas on voit Hanzo et Descartes Kane récupéré par Miracle. Parce que dans le BO précédent, il a eu une victoire sur la dernière, il a gagné sur Dragon aussi. Il a 5-1 pour l'instant. 5-1, c'est un peu. Il sort pas beaucoup, mais il fait très très mal. Et la seule fois où il a été joué et perdu, c'est par une wildcard. C'était Mindfreak qui avait joué Karazim. Donc je crois que. Tu sais, c'était avec le Lucio machin, enfin ils avaient fait des compos trop chelous là, les Mindfreak. Et je crois que c'est la seule fois où Karazim a perdu. Donc dans des équipes de scène majeure, Karazim est à 5-0. En tout cas, Kerrigan, Anub, Arrak. Et en même temps, on veut abuser des faiblesses de Descartes Kane TR. Des cartes qui ont récupéré très tôt par Miracle, pas de purification. Et à ce moment-là, c'est très intéressant. Et on voit Jay, évidemment, très très concentré, notre Français. Qui est très bon sur Anub, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un tank sur lequel il est pas bon? Il fut un temps, il avait il avait des faiblesses. ETC, on le voit moins. C'est peut-être le seul tank, je crois. Parce qu'on l'a même vu sur Variant, on l'a même vu sur Stitches, bien évidemment. Mais même sur ETC, les dernières fois, on l'a vu, il a été excellent. C'est juste qu'il ne joue pas beaucoup. Mais on l'a pas vu dans des grosses finales, tu vois. Ouais, c'est sûr. Parce que. Bah, au MSB, on l'a vu. Alors, c'était incroyable, hein, parce que personne jouait ça. Et lui, il arrive, il sort en Variant et Stitches dans les grands moments, justement. Ouais. Et il fait la différence. Mais sur Anub, ça date, hein. Ça date il y a très longtemps chez Dignitas avec Melee. Hein, à l'époque, déjà, il jouait Anub et il était super fort dessus. Puis il a toujours eu un style agressif, Jay. Et Anub lui convient très très bien. Parce qu'on a Vanblaze et Jaina dans la deuxième rotation. Irel, Johanna de récupérer par les Miracles. Double pick maintenant pour Digg. Est-ce qu'on va vouloir chercher encore d'autres CC pour perturber le décard? Alors, Raynor est encore là. Je sais pas quel carré tu récupérais avec Kerrigan. Qui pourrait faire. Léoric. Oh, ça c'est très fort. Booby. Oh, et Dan. Contre Descartes Kane, bien sûr. Là c'est Draft Liquid presque que nous propose Dignitas. Et puis Léoric aussi, hein, sur cette carte très très fort. Et justement pour récupérer les squelettes. Il one shot les squelettes justement avec une auto-hit et le Q-spell. Excellent cette pancarte. Elle est super bien fait. Go Wooby avec les 4 picks de Wooby. Irel, Blaze, Léoric et il me manque DAK. C'était DAK le dernier. Ah, superbe. Superbe la pancarte. En tout cas, côté Miracle, le last pick maintenant. Et ce sera une Sonya, la Sonya de Nacho-Jin sans alors, purification. Il y a Irel aussi. Il y avait Irel, donc, oui, j'avais dit. Attends, j'ai dit Blaze, Leoric, Irel. Non, mais je te parle de Miracle. Ah oui, pardon. Proposition Miracle, c'est du triple mêlée. Oui, c'est vrai. Donc Nacho-Jin, qu'est-ce qu'il va jouer? Normalement, c'est Nacho sur Sonya. Ah, mais parce que l'aspect de solo liner est plus avec Irel, est plus présent avec Irel. Sonya, elle fait un peu plus de elle fait plus de choses quand même. C'est très étonnant. Ouais. Donc ouais, je sais pas, c'est Sniper probablement qui sera sur un mêlée. Ouais, normalement c'est Sniper sur les mêlées. Donc c'est Sniper sur Sonya aussi peut-être, je sais pas. Franchement, j'espère pour Dignitas parce que Descartes Kane, zéro purif avec Sonya, protection très très faiblarde pour la frontline et en face t'as Kerrigan, Tyrande, Anub'arak, Léoric, Gul'dan.
Ouais. Sonia, c'est ballsy, hein. C'est ouais, très très ballsy. Et pourtant, hein. C'est deuxième fois. Genji a fait un peu la même chose, hein. Ils ont piqué une Sonia dans la fin du draft, justement. Elle a eu de l'impact. Elle a eu de l'impact, même ah, si. Ah, mais c'est fait détruire. Hein. Oui, bien sûr, mais fait, le draft les départs. Hein. Je trouve qu'elle a eu de l'impact pour un draft perdant, presque. Ouais, mais c'est un draft perdant. C'est ça le point. Bien sûr. C'est là où il faut appuyer, en fait. Pourquoi prendre un pick qui a un draft perdant? C'est ce qui a ça a coûté très cher à Genji. Hein. Ils se sont fait détruire, justement, par le Gul'dan, par la Kerrigan. Et là, un deck Arcane, encore une fois, hein, pour tenir cette Sonia. C'est vrai que j'ai peur. C'est moi j'ai peur. Ouais. Et de manière objective, parce que évidemment on a envie de voir Dignitas champion du monde, mais de manière objective, j'adore Miracle aussi. De manière objective, le draft Miracle. Après, par contre, pour gérer les squelettes, ils sont excellents. Johanna, Hanzo, Sonia, c'est très bon. Même Mireille. Ah, vrai, Gul'dan, Kerrigan, Alioric, Gul'dan. Donc, je vois pas un domaine sur lequel le draft Miracle non, est meilleur que Dig en fait. Non, clairement pas, mais et surtout bah, le Fear ici, il est excellent. Et Dignitas, les rotations de CC, ils savent faire. Hein. Ah, généralement, il oui. n'y a pas d'erreur. Il hein. n'y aura pas des Fear trop tôt comme on comme l'a vu. Avec Azu, ouais. C'est ça. En tout cas, on est parti. Dignitas, donnez-leur, transmettez-leur votre énergie. Notre numéro 1 européen, Poil, qui sur Gul'dan, Snitch, sur Kerrigan, Zaelia, sur Tyrand, Wubi, sur Léoric, et enfin notre français, JPL, sur Anubarak. Et du côté des Miracles, on aura Sniper du coup sur Irel, Frank White sur Hanzo, Judy sur Johanna. Du coup c'est Nacho Jean sur Sonia bien logique. Sûr. Et enfin j'ai oublié... Tu as oublié... J'ai oublié qui Ah Blue Beetle oui, sur ça, des cartes. Oui c'est Blue Beetle sûr. Sur des cartes exactement. Bien sûr. Mais Sniper sur Irel... Parce que c'est ça le truc en fait, on pouvait pas mettre Sniper... Oh, Nacho Jean. Et ça commence mal, heureusement Sniper qui justement intervient très bien pour protéger son capitaine, tout simplement. Nacho, c'était obligatoire. Tu peux pas draft une Sonia dans des conditions aussi exécrables si tu mets pas Nacho Jean dessus. Après, voilà, c'est Sniper, il va sur un rôle qu'il connaît pas. Hein. Après, il y a un ulti très fort aussi contre cette rotation de CC sur Irel, bien sûr. Qui est l'absorption, bien sûr. Ouais, l'ardent défenseur. L'ardent défenseur. Qui est très fort aussi contre les combos, hein, qui permet justement de. S'il a le temps de le mettre. Oui, voilà, s'il a le temps de le mettre. Ou avant. ça peut ça être peut mis être avant. Forcé avant. C'est vrai. C'est l'avantage du Fear. Contre un Fear, t'as le temps en fait. Si tu peux, t'as un petit créneau pour mettre justement. Que ça soit une cleanse, une self-cleanse ou un CD défensif. T'as un tout petit créneau. Et c'est possible, surtout justement dans des événements comme ça en LAN. Où les gens sont taqués, où il n'y a pas beaucoup de délais justement. Voilà, le niveau de ces Worlds est quand même très relevé, hein. très relevé. Alors que Snitch qui... Oh, attention, l'invite quand même de mise. Alors c'est une Sonia dans les rotas, hein, c'est ce que tu évoquais. Très rare de voir ça. Sachant qu'on aurait pu laisser Sonia solo et Irel faire des rotas justement. Attention, le combo sur Sniper, Sniper qui est pas bien. Le drain sur Sniper. Sniper qui tient finalement. On n'arrive pas à prendre ce premier kill, hein, côté Dignitas. Fait deux fois que c'est chaud, mais ça tient pour les Coréens. Ouais, et puis aller sur Irel, ça, c'est bien, mais ça laisse aussi de l'espace à Sonia. Bien sûr. Et ça, faut faire attention à ça, parce que Nacho Jean, lui, il va être content de pouvoir s'exprimer dans la backline potentiellement. Vu que Dami joue pas Sonia, je pense que Nacho Jean est la meilleure Sonia en activité, tout simplement. Dami joue plus Sonia, donc mécaniquement, j'aurais dit que c'était Sonia. C'était la meilleure Sonia, Dami. Mais il la joue pas. Nacho Jean, il arrive à la jouer dans des drafts où on se dirait, mais Sonia, qu'est-ce que ça fout là? Donc, je me rappelle de game contre Genji, on se disait, mais Sonia sur Battlefield of Eternity dans un draft comme ça, il arrive à la faire gagner. Donc, Nacho, excellent dessus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est, il est excellent dessus. Après, Kyoshala a fait une game pas mal aussi. Non, clairement, très bonne. Hein, mais encore une fois, là on va voir, hein, mais à partir du 10, Sonia, encore une fois ici, ça va être. Ça va être très dur. Un build très particulier du côté de Sonia d'ailleurs, puisqu'on est sur le Z au niveau 1 qui augmente le dépush, puisque ça fait plus de dégâts sur les zones extérieures, si je dis pas de bêtises, c'est ce niveau 1 qui augmente le dépush de Sonia. Et le niveau 4, c'est l'auto-attaque qui critique après l'utilisation d'un Z, plus l'activable. Attention, Snitch qui est complètement isolé. Snitch qui tombe là-dessus. 4 joueurs de Miracle. Premier sang pour les Coréens. Ça c'est dur, attention Snitch, parce que là... Ça va coûter pas mal de squelettes, ça. Je pense que Dig va avoir beaucoup de mal à récupérer le shrine. Surtout que t'as moins de dégâts pour tomber la Sonia maintenant, qu'il n'y a pas Kerrigan. Ah, c'est bien, Wubi, il vient de récupérer énormément de squelettes. Bah, il s'est fait avoir, hein. Attention, les Miracles, c'est leur condition aussi, hein, de victoire.
s'ils attrapent un mec, ça peut faire mal. Alors, c'est la seule force de Descartes dans ce draft, hein. C'est d'essayer d'attraper quelqu'un. Jake qui a pré-tap, Kerrigan qui revient. 23-29 pour le moment en termes de squelette. Le blind, attention Poilk. Poilk qui va mourir, Poilk. Il va mourir là-dessus, faudrait sécuriser le kill sur Nachojin. 1 pour 1 pour le moment. 31-33 en termes de squelette, c'est très serré. Ubi qui va l'inquiéter, la backline. Sniper qui essaye de zoner. 36-36 en termes de squelette. 38 pour les miracles, c'est chaud. C'est chaud, 39-38 en termes de squelette. Et ça va être récupéré par les coréens. Et attention à la fuite d'ailleurs, Zalia. Oh là là, miracle. T'as vu Sniper un peu comment il a puni Poilk en passant justement par derrière, en sautant dessus du mur. Mais il est excellent Sniper, hein. Ouais, excellent, hein, excellent. Sur un pic sur lequel on le voit jamais, c'est le joueur qui fait douter. Ouais, bonne purge Zalia avec le niveau 1. Attention Zalia quand même, attention. Est-ce qu'on peut défendre ce T1? On est 5 pour défendre quand même côté Dignitas. Après ça push en faveur de Dignitas top lane et bot lane. Il a fallu que Sonia décale. Et on est en retard donc on va même pas perdre d'XP top, hein, du côté de Ubi. Donc ça va, ouais, ça on passe. Résiste bien quand même à cet objectif. Ça aurait été très très serré, hein, sur la prise de Shrine, on l'a vu. On a même vu Zaelia qui a tenté un stun dans les squelettes, c'est pour voler absolument l'objectif. C'est pas passé loin, hein. Ouais. C'était 40, 38 ou 39. Bah, hein. C'était 38 ou 39, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ils aient repris un squelette en plus, mais c'était pas après, loin. Après on voit plus l'affichage, donc c'est possible qu'ils aient eu un squelette juste au moment où, ouais, où Miracle ait récupéré le dominateur. En tout cas, on veut une invade côté Miracle, c'est leur force. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi cette carte aussi. Hein. Leur puissance, c'est les teamfights. Donc, on va falloir que Poilk et Snitch arrivent à trouver leur marque, hein, dans cette game. On avait vu tout à l'heure Azu. C'est là où on voit qu'Azu a été excellent aussi, hein, dans ce genre de phase. Tout à l'heure, où il a résisté et s'est jamais fait attraper, en fait, Azu sur la game. Sauf à la fin, mais. Ah, il a besoin du fien. Il a besoin de ce fien. Oh Jin, le combo est passé de Snitch. Non, ils sont que deux, ils sont que deux. On va pas sécuriser le kill. Ouais, j'ai quand même peur pour Snitch aussi, hein. On sait que c'est peut-être le joueur le moins en forme côté Dignitas. J'espère qu'il va. Après pour le moment il fait pas le game avec. Bah il s'est quand même bah, ça a coûté cher sa mort, hein. Ouais, sauf le moment il s'est fait très très cher, hein. C'est pas une mort quand il y a rien en fait. Là c'était une mort au début de l'objectif. Ça a coûté assez cher. Oh c'est sûr, c'est sûr. Ouais, dommage, le stun de Zalia c'était bien tenté. Si ça passe c'est parfait. Ça passe c'est kill, hein, parce que Jay aurait réceptionné tout ça. Et Snitch aussi, c'était bien tenté. Hein. Il essayait d'anticiper un petit pas en mode Frank White. Il va essayer de mettre une flèche explosive. C'était vraiment, vraiment bien senti. Qu'est-ce que c'était malin. Lance empoisonnée. On a le build de Dami, mais sans le niveau 1. Hein. Ouais, dommage. Le combo de Snitch. Il y a la Galva. Ah, ils avaient suivi. Hein. Ils avaient suivi si jamais. Combo Kerrigan. Derrière, tu aurais eu le stun tirant. Ils auraient juste tout mis. Alors, parce que là, c'est un. Nachojin, il joue une. Sonia très très agressive au niveau des push comme au niveau récupération squelette, puisque ce niveau 1 marche sur la lane. Attention. Oh Nacho, Nacho, le combo qui est loupé par Snitch. Dommage. Oh hey, c'est pas mal. Nacho, il a la vulnérabilité. C'est un kill, c'est un kill, c'est un kill pour les Dignitas. Le enfin, attention, ce fear. Oh, oh non, Jay et Poilk. Ah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, il faut se régler. Après il meurt quand même. Ah il est mort. Ouais, non, non, il est mort. Il est mort, quelle que soit de façon sa trajectoire. Attention, hein. Mais il faut régler ce genre de choses. Ouais, il faut régler, fire en même temps pas, que. Ça me rassure pas venant des digs. Non, c'est clair. Mais c'est bien. C'est des kills très très importants. Juste avant le sanctuaire, il faut un petit peu de temps. On sait que c'est le diesel. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Le diesel. Même si ils auront fait pour l'instant des tournois parfaits, hein, pour l'instant, cette année, digs. C'est leur meilleur en termes de régularité parce que très souvent ils commencent très mal ou bof bof. Jay le disait très souvent lui-même, ouais les tournois tranquille, tranquille, tranquille. Et là, le début, c'est la première game, c'est la première game. Attention, la flèche, Jay qui va la prendre. En pleine tronche, Jay, il a la charge en fouille, ça va, Blue Beetle, le slip qui a été mis. Y'a que Snitch, mais y'a le Maelstrom, donc il tank très bien. Sniper qui est quasiment mort. Le stun sur Nacho. Oh, superbe! Superbe cette prison de Wubi. Par contre, on perd Jay. Nachojin qui tombe. Nachojin qui tombe. 1 pour 1 pour le moment. Sniper est pas bien. Sniper tombe. Snitch qui sécurise le kill. Oh, ce tombeau de Wubi en mode. Ah, je pose ça là, je repars. Hein. Ouais, parfait, hein, le tombeau en flanc comme ça. Alors, ce qui est super important ici, c'est que Poilk n'avait pas le fear. Et ça, c'est super important. Ils ont réussi à gagner une fight sans le fear. Et le fear, on l'a dit, c'est probablement le. L'ulti le plus dangereux pour Miracle.
Mais là, tu t'imagines pas Wubi avec le nouveau skin Leoric. Attends, alors, je vais réparer les toilettes là, je reviens, je vais chercher le balai. Non, parce que là, il était posé pour couper en fait la défense de Sonia. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va l'inciter à jouer lance mystique au 13. On va voir, parce que très souvent Sonia, maintenant les Sonia coréennes, parce qu'il n'y a quasiment que la Corée qui joue Sonia, on voit plus de lance mystique, sauf qu'on est Leoric pour pouvoir se repositionner. Sinon c'est la move speed. Tout à l'heure je crois que Yosha d'ailleurs est parti sur la move speed au 13, hein. J'ai un petit trou. Je sais plus, mais c'est vrai qu'hier, je crois qu'on avait vu Sonia justement qui avait pris la move speed. Allez, en tout cas, un petit stun de Zhalia. Et c'est un dominateur qui pour le moment est pas tant accompagné que ça par les Dignitas. Non, on va gratter mid. Hein. Jake il va juste prendre la vague d'XP qui devrait bouger derrière. Ouais, puni si jamais. Alors, il a envie de bouger, je pense, parce qu'il y a les scarabées qui pourraient être utiles sur la mid lane potentiellement. Ouais, on veut voir juste le pool en fait. Si le pool est désastreux, même l'apport d'un Anub pourrait sécuriser un kill. Il est parti mandibule acide en plus, hein, les auto-attaques améliorées. L'exécuteur personnalisé d'Anub Arak. Sinon, pierre de soin. La chouette qui réduit les dégâts, qui peut être très intéressante contre Sonia. Qui dit dégâts en moins sur Sonia, dit également eh bien, sustain en moins, puisque quand elle, voilà, quand elle tourne comme ça, quand elle sera raccrochée à la vie, c'est en fonction des dégâts qu'elle inflige qu'elle se soigne. Donc réduire ses dégâts, c'est très intéressant. De partir. Pas de niveau 13 encore hein, pour Miracle. Miracle qui a très bien commencé cette partie. Mais c'est vrai, là pour l'instant, depuis qu'elle est niveau 10, Tinitas pour l'instant gagne les échanges. Ça, là ils ont pris quasiment. Ils ont fait un trou, hein, quasiment. Deux niveaux d'avance pour Dix sans que ce soit impressionnant, mais la macro. C'est vrai que Leoric, on en a fait un petit peu aujourd'hui. On en parlait encore. Mais le late game de Leoric aussi. Hein. Il a un super late game, Leoric, avec son 13-16 et son 20 aussi. Hein. Le tombeau silence tellement fort au niveau 20. Puis ça fait très longtemps qu'Ubi joue Leoric hein, chez Fnatic. Je me rappelle des contenus du dragon. Les toilettes qui silence, à mon avis, ça ne doit pas être les toilettes les plus propres. Ah non, non, c'est sûr. Bah c'est pour ça aussi qu'il est là. C'est pour les nettoyer. C'est l'ultime crado, tu sais, au niveau 20. En tout cas, ça m'a fait penser d'ailleurs à certains toilettes que j'ai dû récurer dans des stages d'été sur lesquels je ne m'attarderai pas. Attention Wubi qui tient en 1v4 sur la top lane. Et du côté de Miracle, le 13, et pas de lance mystique, alors ça veut dire qu'un tombeau peut être fait. Bah, attention, peut-être un pire d'empoil qui ne prendra pas le risque. Oh là là, Wubi. Il tank tellement bien avec son Leoric, il estime extrêmement bien les dégâts encaissés. Surtout avec son 13 après derrière. Et si je n'avais pas pris le camp tout de suite, et là, grosse pression de mise sur la botlane, Miracle qui est en train de se faire bouffer sur la macro quand même. Hein. Non, clairement. Ils sont 30. Enfin, ils souffrent depuis le niveau 10. Après, voilà, l'objectif a été gagné côté Dig. Et derrière, Dig, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Ils ont vraiment une pression. Ils ont mis une pression partout sur la carte. La pieuvre. La pieuvre d'Unitas. On voit l'XP, hein, il s'approche déjà du niveau 16 alors qu'on n'a pas encore justement l'apparition du prochain hôtel. Et Miracle a même pas la possibilité de trouver une engage. Regarde, ils se font bouffer bot. Ouais, là il ils ont de des push mid et du coup top Dignitas met la pression. Bah ils ont essayé de siège top mais Wubi bah il a été vraiment propre hein, il a pas fait d'erreur. Attention Wubi hein, toujours aux avant-postes, il a cet incensi justement s'il appuie sur eux. C'était bien tenté par Sich, il était très très bien tenté ce combo. Et là c'est parfait, un hein, peu de fontaine de soins sur la top lane, le niveau 16 qui arrive pour Dignitas. Le Easy qui est toujours en train de mettre la pression, je crois qu'il y en a plus qu'un. Ouais il y en a peut-être plus qu'un. Du coup c'est pas. Au contraire, ce genre de choses c'est intéressant parfois. Voilà deux. Parfois c'est intéressant juste pour deny un peu d'XP à l'adversaire. Mais oui, bon là vrai. Évidemment faut vite enlever cette pression pour aller sur la top lane. Après il n'y a pas le 16. Pas le 16 côté Miracle. Qui pourront pas faire grand chose normalement sur ce shrine. Ça va être fait beaucoup trop rapidement avec Leoric, t'as même Kerrigan si jamais et Gul'dan. J'ai cru que Jay allait nous changer son 16, j'étais en mode, est-ce qu'il jouerait sur l'apathie? La réduction de dégâts, c'est ça? Ouais, ça, la puissance capacité. Mais parce qu'il a hésité et finalement non, il est parti sur l'épicentre, hein. Classique. Parce que l'apathie peut être très fort contre Sonia, hein. Et contre Descartes Kane, puisque c'est la puissance de capacité, donc moins de soins aussi hein, pour Sonia et pour Descartes. Et on va récupérer ce T1 pour préparer le dominateur, c'est voilà. Propre, c'est propre ce que fait Dig. Enfin voilà, Miracle intelligemment push sur la bot lane pour exactement. Essayer de récupérer le niveau 16. Et ils font deux camps, les deux camps mid pour mettre de la pression. Mais Dignitas est déjà en train d'ouvrir le T de top. Dans ce Danube, alors, hein. Je me demande combien de stacks il a, Poilek. Ce qu'il a maintenant, il est au niveau 16. C'est une game assez macro, hein. Donc c'est vrai qu'il a peut-être pas stacké autant qu'il le voudrait. C'est bien, c'est bien. C'est bien Sonia ce que fait est encore bot, hein. Et attention, parce que sur un cocon où il en tombe, ça peut faire très très mal ici. Et ils ont ouvert avant même que le T2, enfin que le T2 soit attaqué par le dominateur. C'est ça, et avec des petites corruptions. Ça pourrait être la game même. Hein. Le 16 n'est pas encore côté Miracle.
Le dominateur, il arrive sur un T2 qui est déjà un petit peu fragilisé, même plus qu'un peu. Après c'est défendable quand même, c'est quand même bien défendable côté Miracle, à moins qu'il y ait une belle teamfight. Attention, le pull. Ouais voilà, oh, voilà, le tombeau, le... Ah dommage, le stun de Kerrigan qui est pas passé, le one shot sur Anub de réaliser le Maelstrom, le Fear qui a été mis. Est-ce qu'on pourrait sécuriser un kill? Et là, par contre Sonia ingérable là pour le moment. Nacho, pendant ce temps le dominateur, ah le combo de Stitch qui passe pas, c'est le deuxième malheureusement dans ce teamfight. Aïe aïe aïe. Et là en plus on... Après il y a le T2, hein. Il y a toujours le T2. Menacé, Judy, Sniper, Stun qui touche Sniper, le combo qui est passé sur Nacho. On claque le nerf d'acier, le bouclier. Ah on pourra pas prendre le T2. On pourra pas prendre le T2 et attention Stitch. Stitch qui est pas bien, Stitch qui pourra pas s'en sortir. Stitch qui pourra pas s'en sortir. Et du coup ça pourrait tuer Zaelia tout ça. Oh là là. Ce joueur. Ce Preston. Après c'est pas fini hein. Après c'est pas fini. On n'a pas les mêmes CD. Ah il est mort Zaelia. Il est mort. Oh là 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 là. Non ça suffira pas. Ça suffira pas. Attention Dig. Attention Dig. Cette première game elle est pas Ça fait mal hein. Elle est pas si... Là il y avait un moment où en macro ils étaient propres. Mais c'est la micro qui pêche côté Dignitas. On a un peu de mal dans les teamfights, dans les agressions. On a peut-être été trop agressif, on a voulu punir cette Johanna après le pull, vu qu'elle avait plus de Galva derrière. Le slip de Blue Beetle a fait très mal par contre. Le slip a fait très mal. L'arrow derrière pour enchaîner, ça fait vraiment mal. Mais faut pas oublier que ça partait d'une agression de Dignitas, qui au final aurait peut-être pu être mieux effectuée. Mais c'était bien pensé par contre, parce que Johanna avait perdu quasiment sa Galva sur le pull. Si tu casses le bouclier, il n'y a plus d'incensi. Le problème c'est que Snitch a raté son combo avec la paroi du mur malheureusement. Il n'était pas dans les meilleures dispositions donc le combo sur Johanna n'est pas passé. Et le slip a cassé on va dire la re-engage. Snitch pour l'instant a beaucoup de mal sur Kerrigan. Mais même poil qui a sur son Gul'dan. Hein. Toujours pas stacké. Là le Fear, bah ok mais c'est presque un Fear défensif alors que c'était eux qui étaient à l'initiative. Bah, oui mais c'est parce que JPL s'est fait one shot. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Mais... il est pas si impactant que ça pour le moment avec son Gul'dan. Allez en tout cas. Mais je suis d'accord, hein, c'est Snitch qui a le plus de mal dans cette partie. Il faudrait finir de stacker côté poil avec la flic sur Funès, hein, le 16. Qui pour le moment ne proc pas sans les 6 cercles. Sur Obi, le drain. Oh, Nachujin qui est en train d'écraser. Quel joueur Nachujin. En train d'écraser Léoric. Tellement de dégâts. Léoric peut pas contester ça. Ah mais là la pression sur la top lane est vraiment pas mal hein. Il y a même Jay qui pourrait potentiellement stopper justement la rotation. Après on voit que Genji à mon avis regarde cette game aussi avec beaucoup d'attention. Et pour le moment Dignitas c'est la macro hein, qui domine. De toute façon c'est ce que disait Zaelia sur l'interview. C'était Miracle, ils sont très forts dans les teamfights, c'est ce qu'on voit. Ils exécutent parfaitement, je veux dire cette défense de Johanna sur le T2 il était superbe. Superbement bien exécuté. Le slip de Blue Beetle, la flèche avec le one shot de Nacho. Pas pour rien hein, que sa Sonia est toujours aussi impactante. Alors au passage Snitch met pas le combo hein, sur les vagues. Parce que je rappelle qu'avec le reward Kerrigan, si vous mettez un E, vous avez l'explosion du E qui arrive derrière. Donc ça wave clear très bien. Mais normalement évidemment on met Z d'abord E hein, sur un combo, je le rappelle. En tout cas le 20 qui arrive pour les deux équipes derrière. Ah, les deux équipes, alors qu'on a vu Urel qui a pris l'autre 16, qui est très fort aussi pour farmer les squelettes hein, sur le shrine. Intéressant. Allez, en tout cas, on est en avance côté Dignitas. Nacho qui claque le cours du Berserker. Il fait mal à Wubi, hein. Il fait très mal à Wubi, Nacho Jin. De toute façon, c'est une guerre entre deux joueurs très intelligents et qui ont beaucoup d'importance dans leur équipe. Les Shotcaller et Drafter. Ah, c'est. Serré en termes de squelette encore une fois. Attention, Sniper sur la backline. Sniper, on a mis un coco sur Sonia. Le combo sur Judy qui est raté par Stitch. Le slip de Blue Beetle, cancel instantanément Zaelia. Par Zaelia, parfait. La flèche sur Zaelia. Zaelia qui prend très cher le Fear. Zaelia tombe malgré tout. Est-ce qu'on pourra sécuriser un kill poil complètement isolé? Nacho Jin qui vient l'exploser. Ce Gul'dan, 36 squelettes, on va essayer de finir. Et derrière JPL, oh il s'est fait voler Frankway qui lui vole. 38-35 en termes de squelette, Wubi. C'est à toi, Wubi. C'est à toi, 38-36, le qui tombe. Miracle, excellentissime. Oh non, c'est la game. Ah, je pense que c'est la game pour Miracle. 3 morts avec des death timers énormes.
Et Snitch qui va mourir. Nacho Jin qui va le détruire hein, avec sa Sonia. Il attend et voilà, dès qu'il y a le cul qui est parti, il lance empoisonné. Ah, ils veulent peut-être. Non, non, ils vont passer top et essayer de finir la game. C'est une Sonia. Miracle qui mène 1-0 potentiellement si on arrive à finir ce corps. Ça devrait arriver, ça devrait arriver. Ah, malheureusement pour Digg, la première, on aura fait trop d'erreurs côté Dignitas alors qu'on avait la game en main. Et Miracle n'est pas là par hasard justement. Ce n'est pas un miracle s'ils sont dans le top 4 mondial à l'heure actuelle. 1-0 pour les numéros 3 coréens. Entame de match parfaite. Alors qu'on voit Frank White qui demande au public de faire du bruit. Miracle est décidément incroyable sur ces championnats du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends plus rien malgré ça. Même physionomie que l'autre demi. Snitch qui... Bon, il aurait eu du mal, mais les miracles qui sont juste super chauds, hein, c'est incroyable, hein. Il s'arrête plus. Bon, c'est dur pour Digg, évidemment. Mais d'un autre côté, on savait que ça allait pas être si simple, on l'avait dit juste avant. Miracle, ils sont pas là par hasard, ils ont failli finir premier de leur groupe A. C'est le match coréen-coréen qui a finalement. Qui a pas tourné à l'avantage de Miracle. Mais Miracle, bah, encore une fois, ils ont déjà leurs objectifs ont été pulvérisés. Hein. À la base, c'était juste de qualifier pour les mondiaux. Quand ils sont arrivés aux mondiaux, ils ont dit bon bah maintenant l'objectif c'est d'essayer de sortir, on va aller aux phases finales. Les mecs ont failli finir premier, et ils ont dit bon bah. Donc c'est pas forcément rassurant non plus pour Dignitas ce genre de discours. Exactement, en tout cas, et puis même, hein, ils ont faim, ils ont dit Dignitas, on veut les battre, hein. On les respecte énormément mais on veut les battre. Et Volskaya et ses choix de Miracle. N'oublions pas que Dignitas est dans une série dingue sur Volskaya et ses choix de cartes Miracle. Hein. Les mecs, ils ont 16-1, c'est ça. C'est un truc comme 16-1, ça. 16-1 je crois. C'est énorme. Sans Volskaya depuis le MSB. C'est juste énorme. Allez, en tout cas, Digg, il faut reprendre les choses en main, il faut se remettre sur les bons rails. Garrosh de ban côté européen et on sent Maiev du côté Miracle. Tyrande de ban par les Dignitas et Tyrande qui ne réussit pas aujourd'hui. Hein. Elle est en 3-2 pour perdre. Enfin, donc 2-3 du coup. Elle est en. Et non, c'était naze. Elle est en 2-3 du coup, Tyrande. Alors qu'elle avait un énorme win rate sur ses championnats du monde. Allez, le petit pingouin, la mascotte de Snitch. Globalement, la IRL a beaucoup d'impact aussi dans ce tournoi. Hein. On la voit moins qu'il y a quelques mois, mais elle a vraiment beaucoup d'impact. Mieux drafté. Hein. Mieux drafté. Je vais vérifier, mais il me semble que IRL, à l'heure actuelle, elle fait très très mal et adore un excellent win rate. Oh, mais c'est vrai que Genji est open. Et oui. Genji, first pick, côté Dignitas, réponse, Descartes Kane et James Eugène Raynor. Jimmy, pour les intimes, le petit Jimmy. Qui vient d'être récupéré par Miracle. Alors on a Frank White comme sniper qui peuvent le jouer. La flexibilité des deux assassins distance coréens. Donc ouais, Genji 66% de win rate pour l'instant. Il est sorti 12 fois. Mais il a 100% de popularité. Donc ça veut dire évidemment qu'il a été ban sur toutes les autres parties. Donc
Voilà, il sort tout le temps le Genji. Ouh. Et Irel, 69% de win rate. Hein. 69. Hein. C'est vrai que. Elle fait plutôt mal pour l'instant, Irel. Mais très bien draft. Hein. On la voit pas tant que ça, tant que ça. Tu disais comme tout à l'heure 40% de popularité. Mais c'est clair qu'elle a de l'impact. Très bien draftée à chaque fois. Pas trop tôt comme avant. Parce qu'avant, on la voyait très tôt. Maintenant, elle arrive un peu plus tard et elle s'en sort ouais. bien. Il y a les petits changements aussi. Hein. Les ouais, petits changements sûr. Effectués, bien sûr. Et mais elle reste toujours très forte dans certaines situations. Et son grand concurrent, le PPR, c'est Wubi qui va récupérer un Blaze avec Johanna. Deux tanks très très basés sur le wave clear. Johanna, Blaze, Ban Jaina, Ban Mammer et double pick pour les Coréens de Miracle. Blaze encore une fois sur Volskaya, on le voit beaucoup sur Volskaya à l'heure actuelle. On va voir le double pick, ouais. Parce que là. Descartes aussi, Blue Beetle sur Descartes. Attention à Mephisto. Hein. Miracle, ah, c'est les seuls qui jouent Mephisto. Bien vu, c'est la map à Mephisto. Après, il s'était fait éclater par Genji, mais c'était pas la même carte. Et Frank White aussi, ouais, il avait fait très très mal. Hein. C'était contre qui? Alors, il y avait Genji, mais avant ça, il avait joué. C'était contre Liquid. Ouais, contre Liquid, ouais, c'est ça. Ils avaient détruit Liquid avec Mephisto. Buff Shen, non. On va éviter. On va éviter, hein. Il est suffisamment chaud comme ça, Shen. Miracle can happen. Miracles ouais. can happen. Clairement. Évidemment. Mais ils ont. C'est plus du miracle, c'est juste du talent. Tyrael, Irel, en tout cas, de récupérer par les Miracles. Tracer et Malfion. Oh, Genji Tracer sur Volskaya, de récupérer par Dignitas. Mais en vrai, ça peut être très fort contre Mephisto aussi. Hein. Parce que Mephisto, il aime pas trop quand. Mephisto, il aime pas trop quand ça fonce sur lui. Hein. Il préfère poke dans son coin, sauter de très loin. Après, Genji Tracer sur Volskaya, c'est pas simple à jouer. Ça me fait peur. Ouais, pas de Mephisto. Ça me fait très peur ce Genji Tracer hein, sur Volskaya quand même. Hein. C'est... Les deux ensemble. Très all-in. Après, ça peut les rassurer. Très agressif. Après, Malfion se comporte très bien avec Tracer. Ça rend beaucoup de dégâts, mais t'as un Raynor en face. Un Tyrael pour aider justement le Raynor à survivre. Le Des cartes Kayn aussi défensivement. Si tu ajoutes un Tyrael pour la frontline, tout est très, très bien protégé. Et un Thrall, ouais. Très très bien draft ce Thrall hein. Parce que là t'as Tracer Genji. Donc t'as un triple mêlée très tanky. Mais surtout ce qu'il faut c'est inquiéter Tracer Genji. Très très mobile ces deux là mais fragile. Et du coup t'as Tyrael qui est probablement le meilleur tank contre ce genre de... Alors pas en termes de contrôle mais en termes de dégâts il en fournit énormément. Et Thrall il va pouvoir être indépendant, pouvoir encaisser et faire beaucoup de dégâts avec des chaînes d'éclairs, des rages ancestrales etc. Donc le draft Miracle est très très bon je trouve ici. Après Tyrael aura quand même pas mal de menaces aussi. Tracer contre Tyrael, t'as un petit peu ce duel. Ce qui est bien, c'est que Tyrael rentre beaucoup de dégâts sur Tracer, mais d'un autre côté, t'as un Malfurion avec cette Tracer. Ce qui fait qu'elle a aussi beaucoup de sustain. Ouais. Et du coup, Tyrael, c'est une cible facile aussi pour Tracer. Donc, ça, voilà, de ce côté-là, Tracer pourra aussi faire bouger le Tyrael assez rapidement. Alors, il y a aussi un autre point, c'est que à la base, Volskaya, pourquoi on dit que Tracer et Genji c'est un peu chaud? C'est que c'est des picks qui aiment de l'espace. Ils aiment de l'espace pour s'exprimer. Ils veulent abuser de leur mobilité. T'es sur Volskaya, t'es sur une zone, t'es comprimé, très compliqué pour que ces deux assassins du coup puissent trouver ces fenêtres d'engage. Mais d'un autre côté, c'est le deux points de pression. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va mettre justement une agression, attirer le focus sur lui, forcer les dégâts ennemis sur lui, ce qui libère de l'espace au deuxième. Mais à jouer, alors, c'est vraiment dur. Hein. Cette Johanna aussi est excellente quand même pour Dignitas, hein, on me rappelle, il y a quand même un Thrall et un Raynor en face en main carry. Hein. Et évidemment, le blind va faire très très mal sur ce genre de personnes et ça pourrait donner des timings aussi d'agression pour Genji et Tracer. Les deux frontlines vont être très costaud. Après, voilà, il y a deux tueurs de tanks, c'est Raynor Thrall, donc le blind super important. Il y aura le bunker aussi pour soulager. En tout cas, on est parti 1-0 pour Miracle. Et oui, Dignitas est mené. Mais comme Genji tout à l'heure, rassurons-nous quand même. Et si on arrive à bien jouer cette compo côté Dignitas, ça pourrait leur faire du bien. Poilk sur Tracer, Snitch que l'on va retrouver sur Genji, Zelia sur Malfurion, Wubi sur Blaze et enfin notre français JPL sur Johanna. Et du côté des Miracles, on aura Sniper sur Thrall, Frank White sur Raynor, Nacho Jin sur Irel, Judy sur Tyrael et enfin Blue Beetle encore une fois sur Descartes. Alors du côté des talents. Ah non, mais non. Non mais ils vont perdre. Ça me rassure ce petit talent sur Thrall, la chaîne éclair rouge bien sûr. Parce que je profite des studios pour te regarder dans les yeux, ouais, droit dans les yeux. En tout cas, ma chaîne d'éclair rouge sur cette carte, c'est une des meilleures cartes hein, pour. Enfin,
façon, la chaîne des Clairouges est pas terrible sur beaucoup de cartes. Sauf Volskaya et BOE où on peut un peu plus stacker ce niveau 1. T'es contre un Malfurion, donc Malf contre le pot que bah, il gère plutôt pas mal. Hein. Donc on va voir. On va voir. Après, on sait que c'est la mode et Sniper aime bien ce niveau 1 sur Thrall. Sinon, côté Miracle, plutôt classique. Et du côté des Dix, stimulant Neuro pour Wubi. Attention, Nacho Jin qui prend cher. Le route peut-être de Zalia est bien sorti par Nacho. Ouais, là, ce route aurait fait très très mal. Ah, c'est un kill, un potentiel. Hein, si, ouais, probablement. Probablement, pas sûr, mais c'est vrai qu'elle aurait été très très low life, en tout cas, ça c'est sûr. Très bon mind game, hein. Nacho, qui a bien anticipé Zalia. Parce que là, c'est souvent le moment, c'est qui va craquer son... Parce que si Zalia attend un tout petit peu, il aurait, il aurait esquivé Nacho et il se serait fait avoir. Ça s'est pas joué à grand chose, en tout cas, premier tour de récupérer par la Dignitas, mais Miracle en fait de même. Une tour chacun. Ouais, une tour chacun, c'est assez classique hein, pour l'instant. Là, on va se diriger vers le pack des soins. Est-ce qu'on va essayer de le forcer? C'est la question. Non, ils veulent pas le faire pour le moment. Parce qu'il y a Blaze qui est déjà présent. Oh, peut-être le forcer côté dig. Judy qui offre une vision très importante là. Et au passage. Hein. C'est vrai que ce buisson il est sublime. Hein. Parce qu'on y pense jamais. Pas. Ouais, ouais, on y pense jamais. Hein. Et au passage. C'est vrai qu'on pourrait dire Tracer Genji, souvent c'est les assassins qui ont du wave clear. Et ici Tracer Genji 0 wave clear, mais c'est pas grave, il y a Blaze Johanna pour aller nettoyer ses vagues, c'est bien. L'avantage c'est que c'est pas une map où le wave clear est trop important. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup de Thrall aussi sur la botlane à l'époque. C'est pas une map où le wave clear est si important que ça. Et en tout cas, niveau 4 de Thrall, c'est la réduc CD si on touche. Et l'anti-heal hein, de récupérer par Malf. En même temps contre Thrall, contre Raynor, contre Descarb, contre Irel. Beaucoup de sustain du côté des Coréens. Sinon on est plutôt sur du classique. Et le pack de soins qui est entamé par les Coréens. Pas trop de surprise. À part l'armure sur Tyrell qu'on voit quand même moins maintenant. Oui c'est vrai. On voit beaucoup justement le slow amélioré. Qui vient d'Asie ça hein, parce que les Européens jouent quasiment que l'armure. Ouais, les deux restent très bien évidemment. Mais le slow offre beaucoup beaucoup en équipe. Sur le petit stun de Wubi, on veut mettre la bombe, l'antil qui est très très bien sur Nacho Jin qui va bien. Nacho Jin, Genji qui fait le kill, c'est bien joué. Premier sang pour les Dignitas et avec la manière. On en aura vu des Genji. J'ai eu peur, hein. Ouais. Vraiment. J'avais pas envie qu'il s'en sorte, Nacho Jin, c'est pas possible. Il faut le punir ce Nacho Jin. De toute façon, on a vu des Genji incroyables aujourd'hui et. Ah, pas aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est vrai que là. Le Genji de récupérer par Stitch qui a de l'impact et c'est important qu'il ait de l'impact. Avec la game sur Kerrigan qui vient de nous proposer, il faut qu'il ait de l'impact. Et honnêtement, pour les rassurer, là on sort une compo ultra micro basée sur les teamfights et les agressions. Ça peut vraiment les mettre bien justement dans le bon bain pour préparer cette demi et potentiellement une finale. Et pour aller en finale, sûr. Il faut déjà gagner ce BO. Et là, l'avantage c'est que maintenant on a un pack de soins supplémentaire côté Dignitas. Maintenant on a. Le stun Wubi. C'est bien Dignitas. C'est très très bien. Et là on sécurise le premier trick lab. Plus la tour, c'est bien. C'est très bien ce que fait Dig. Ah bah là généralement quand ils sont bien dans une game, ils arrivent à snowball. Même la partie d'avant hein. Honnêtement c'était bien jusqu'à le moment top où justement ils retournent complètement la situation avec le kill sur Jay. Nacho hein, qui tue Jay avec la lance empoisonnée après le slip et la flèche. C'était très bien fait. En tout cas, les Dignitas qui sont bien, c'est important. Parce qu'en plus, c'est ça. Sur la game d'avant, macro, Dignitas, aucun problème. C'est la micro qui a pêché. On a perdu sur le terrain de jeu des Miracles. Et là, on est en train de leur faire mal. C'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Mais là, Wubi, le petit stun 3, très très bien suivi par Zaelia et par le reste de l'équipe. On a très bien joué. Premier Triglav. Ouais, on va aller sur Frank White, attention le in the stitch sur Frank White et c'est un kill. Super. Sur Serenor. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait faire plus? Le stun de Wubi. La torchière. Oh là 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 là, et le Triglav qui suit. Voilà pourquoi ce niveau 7 c'est le meilleur talent du jeu. C'est bon, le DZ bien, ça. Fonctionne les gars. Alors on a vu hein. Là il voulait pas un seul kill, hein. Il voulait plus. Oh là là, et superbe. Parce qu'il faut pas l'oublier, cette top lane est très importante puisque c'est le deuxième spawn de Triglav malgré le deuxième objectif sera sur cette top lane. Et du coup plus de fontaine de sang, plus de fort pour les Miracles. Et le niveau 10 qui s'approche très rapidement pour les Dignitas, un niveau et demi d'avance, sublime. En plus Wubi,
On dit souvent que la torchère c'est contre-mécanique, tu sais, parce que ça crame, ça fait cramer la flaque. Et du coup t'as plus le slow. Oubi vient de mettre un stun sans aucun slow. Parce qu'il avait mis le slow avant. Dès que le slow s'est terminé, il met le stun et il avait remis le slow au cas où si jamais il assurait pas le kill. Genre superbe. Superbe, et le Triglav qui a très très bien suivi. Alors point de quantique au niveau 10, X-Strike. Bouclier sacré qui avait été ouvert. Oh, c'était bien. On a voulu punir. On a voulu punir, c'est pas passé mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut tenter, il faut tenter, il faut ouais, le... C'est un CD très court hein, 60 manière, secondes sacré, hein. C'est 60 secondes, ils sont que niveau 8 en face. T'as le temps de le récupérer avant leur 10 plus ou moins. Là le CD d'ultime assez court, le plus long plus long c'est la X-Strike. Et encore, ouais, et encore. Et t'as le bunker sera... aussi maintenant. Ouais c'est ça, et encore t'as pas forcément besoin de la X-Strike en plus parfois pour... Non, c'est défensif l'X-Strike. Ouais c'est ça, donc c'est pas très grave justement. Si on m'avait dit un jour que ce serait le bunker, le CD ultime le plus long dans une guerre. Avant c'était 40 secondes à la sortie. Bon il était pas aussi tanky hein, à la sortie. Très 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 fragile. Attention, attention, sniper. La torchère, la pointe quantique. Il y avait un Thrall. Savez-vous où il est passé? Moi je ne sais pas. En plus, tout cas, on les a vu se retirer en même temps, Dignitas, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-engage possible. Ouais, ils respectent leur adversaire. C'était très propre. Ils savent que ça peut aller alors vite. Alors, on a mis une tourelle quand même. On a mis une tourelle sur ce siège mid. Mais ils en récupèrent une autre. En même temps, j'avais pas vu, mais ils sont juste full stuff, hein, évidemment. C'est ça. Il faudrait des places hein, d'objets supplémentaires pour Dignitas. Ce serait pas ou mal. Comme dans War 3, la mule, tu sais, tu poses une tourelle sur un sbire. Non, mais... au moins, t'as 6 slots, tu vois, sur War 3. C'est vrai. Ah, les fameux diadèmes de noblesse, grande agilité. Griffe d'attaque, il n'y a pas de Tom dans Heroes, mais du coup, les Dignitas qui vont récupérer le camp de siège. Serait... Peut-être aller invade, pack de soins, le camp de siège adverse. Faudrait surtout pas laisser les tomes d'intelligence à Wubi parce que. Ah bah non, mais déjà que. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Génie du mal le mec, hein. Non, mais... Attention, Jay, on a voulu mettre un route au cas où. Et est-ce qu'on va invade? 12 contre 10, il n'y a pas le 13 encore. Petite agression. D'agression de Poilk, attention Poilk, il y a quand même un Raynor hein, qui fait très très mal. Et une fracture aussi hein, contre Genji Tracer. On a pris Banshee hein. D'ailleurs pour contrer Genji et Tracer aussi. Ouais. Oh jolie route, très jolie route du Thrall. Attention ça tient du côté de Johanna pour le moment. Le pack de soins qui a été claqué, le slip est bon de Blue Beetle. La purge de Zelia, tranquillité irante. Sanctification de mise, le bunker bon tempo. Attention il faut rentrer sur le point. Par contre la grille, l'extrait. Oh, oh triple bossit. Et la pointe quantique de Poilk. Magnifique. C'est de retour. Oh il y a les mignons, il est mignon, il est mignon. Ah dommage. Oh il a fait tellement mal à Frog White. Ouais. Il a hésité à eux en plus. Ouais je pense ça. Je pense qu'il a hésité. Après il a peut-être pas scellé parce qu'il a peut-être mis sur des cartes game après. Replay. Oh le replay. Attention. Ils ont concédé et le bunker aussi. Le timing du bunker de Wubi. Il a pas mis trop tôt. Non parfait hein. Bon après il lâche le pack de soins. C'est le choix qu'il fait. Temporiser là, la sortie. Est-ce qu'ils meurent tous hein. Là, le bunker a fait tellement mal. Et Jay mal. Aussi, hein. La condamne de Jay qui ramène tout le monde dans le X-Strike aussi. Hein. Et ouais, et encore, il n'y a pas le 13. Hein. Parce qu'avec le 13 qui a pris Jay ouais, là, ouais. Oh les corrections, le A, il va bah, il porte très bien son nom. Hein. Il va mettre des claques, des cacahuètes. Hein. Il va envoyer au miracle. Wubi marche au diesel aussi. Avec le Firebat, bien sûr. Vitesse d'attaque, ouais, en moins, exactement. Avec son Blaze, ricochet pour Tracer. On a des. Dégâts de zone hein, du côté de Dignitas là. Bon, sauf le Shingan qui est pas fait pour les dégâts de zone. Ouais, je m'attendais presque à avoir un build up vu la fight qu'on vient de voir. Bah, après, c'était sur un point très serré quand même sur le camp de soins. Et là, deux niveaux d'avance encore pour Dignitas et surtout un Triglav encore qui arrive sur un T2 déjà ouvert, Malga. C'est vrai que c'est peut-être un T2 qui va concéder Miracle là-dessus. Attention, Sniper! Oh le route qui touche pas Max Range! La pointe quantique! Sniper! Oh. Sniper! Ouh. Et Sniper il passe une game! Ah, il se fait harceler. Hein. Ah ouais. Ah je pense que Dignitas ils veulent le détruire vu la game que Sniper a fait avec Irel. Ou peut-être punir son choix de niveau. Hein. Attention Sniper du coup qui va reculer le Triglav qui devrait assurer le T2 mais elle pourrait faire plus. Hein. Il y a encore 50% PV. Hein. Attention Frank White, ils sont dans les flaques. Ils sont dans les flaques. Frank White qui claque l'armure. Attention Frankel, ça va aller. Oh le route, on voulait réenchaîner sur Sniper. On a tenté. Et là on va siéger mid, on prend pas le risque côté Dignitas, hein. On va pas aller au corps directement, on reste comme dans un early game, un mid game, hein. 10 minutes, ça va vite. Oh bien joué Judy. Wubi, attention Wubi, la purge de mise. Et le bunker, Wubi. Si jamais. Ne claque pas, il va devoir le claquer, il va devoir le claquer. Attention à la sortie, Wubi qui repart, pack de soins de forcé. La pointe quantique de loupé par Poilk, c'est un petit peu dommage. Chujin
Ça tient. On a stacké au passage au niveau 4 du côté de Sniper parce qu'il est mort. C'est vrai qu'il est beaucoup mort donc il a perdu ses stacks. Et là, ça a touché. Ah, c'est vrai que le Triglav ça aide à stack. Tu touches très facilement ton loup, on va dire. Donc il a validé. Ça va lui faire du bien. Plus de route, plus de protection. C'est sûr. Alors que son niveau 1 il est pas validé. Hein. Ça, en même temps, ça met beaucoup de temps. Je dis ça, mais ça met beaucoup de temps, c'est normal. Et puis la récompense est quand même énorme, hein, même si tu le finis pas à ce niveau 1. Ah, voilà. Heureusement qu'il perd pas des stacks s'il meurt. T'imagines, c'est comme une convection. Ah bah dommage. Ah, il devrait presque. Hein. Évidemment. Très très bon talent la convection. Surtout pour l'équipe qui l'affronte. En tout cas. Oh Jay. Avec son niveau 4, hein, s'il augmente les dégâts, le blind va servir aussi offensivement pour que Tracer et Genji puissent le faire proc. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut spammer votre E n'importe comment, hein. Les connaît les Johanna qui font ça. Non, hein, Jay c'est un très très bon joueur, c'est pas le genre d'erreur. Attention parce que le 13 d'écart est très fort aussi ici. Hein. C'est vrai. Dans ce genre de fight c'est extrêmement fort. Hein. Et Terre Sainte, ça renforce tous les 1v1. Terre Sainte, il va pas y aller, il va pas y aller. Là on l'attendait presque au tournant. Attention, la petite pointe quantique de balancer sur Judy. C'est étrange en poke, mais oh, la pointe quantique était pas terrible. Parce que ça sert pas à grand chose de poke justement contre un Descartes Kane. Il veut siéger le corps. Ils ont deux camps. Ouais, mais ils peuvent pas. C'est vrai que c'est étonnant. Après, ils ont des tourelles. Hein. Les tourelles après, font 50% de dégâts supplémentaires. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'objets. Et il n'y a pas de 16. Hein. Y a pas de 16 hein. S'ils arrivent à faire ça. S'ils arrivent à faire ça là au niveau confiance, ce serait excellent. Hein. Attention. Après, ils veulent peut-être aussi créer de l'espace pour aller chercher un kill. Hein. Les digs, ils peuvent le faire. Hein. Il suffit d'un kill pour faire très très mal ensuite avec leur combo. Ouais, Wubi qui force l'ATP de Judy. Attention, pour le moment ça tient. Le bunker qui va être mis instantanément. Attention, Tyrell. Judy qui prend très très cher. Et poil la pointe quantique de loupé. La pointe quantique de loupé. Si elle connecte, ça aurait forcé une sanctification. Que... Ouais, voilà, on a juste escorté le camp. Alors, ils ont pas mis leur objet. Hein. Ils se sont dit, non, faut prendre au moins un kill, je pense, avant de mettre d'all-in sur le corps. Parce que c'est vrai que si tu utilises tes objets derrière, sur le point C, justement, ça va être quand même bien plus compliqué de dominer. Par contre, si Tyrell meurt, je pense qu'ils auraient été sur le corps là. S'ils prennent le kill sur Tyrell, ça aurait pas été la même, je pense. Même si mais en défense, t'as plutôt envie de prendre un kill sur Raynor, je pense. C'est pas aussi simple à aller chercher. Mine de rien, les T2 sont très proches les uns des autres, hein, du corps, sur Volskaya. Bon, tu vas me dire, c'est sur quasiment toutes les maps, mais encore plus sur Volskaya, je trouve. En tout cas, pour l'instant, Miracle qui essaye d'avoir justement le 16, hein, bien sûr, pour jouer cet objectif. D'ailleurs, on y arrive très vite, hein, puisqu'il n'y a pas eu de contestation sur le point A ou point B, puisque Dignitas a vraiment écrasé Miracle sur ces phases-là. Et du coup, on arrive très tôt sur le point C, malgré. Généralement, à ce stade-là, on a le niveau 20 quasiment des deux côtés. C'est vrai. On a deny beaucoup d'expérience à Miracle. Hein. Côté dig, ça push encore top avec les catapultes. Attention, Barcourt, l'agression sur Jay. Tiens, très très encore. Attention, Nacho. Là, dans défenseur. De claquer, 120 secondes CD. Et on va pouvoir continuer tranquillement. Jay qui recule. Les petits blinds demi. Mais le pack de soin. Attention, le go-in, la fracture qui a été forcée pour protéger Judy. Ah, ils peuvent plus là. Ils pourront probablement plus le jouer, les Miracle. C'est impossible, on a encore des tourelles côté Dignitas. On a forcé quand même une tour et un pack de soin. Et en plus, il y a des catapultes qui arrivent sur la top lane, ce qui fait que Dignitas va pouvoir siéger. Ah, ils vont les top directement. Encore. Ou alors mid. Non, parce que s'ils veulent faire profiter les katas, ils vont push bot plutôt. Ouais, mais par contre, il y a le T en bot, tu vois. Donc c'est ton chemin est quand même un poil plus long. Ouais, ils vont prendre le mid. Mais est-ce qu'ils vont prendre le mid et core? Je pense, ils veulent le 20 en fait avec le mid peut-être. Ouais, ils vont core direct. Attention, Nachojin n'a pas d'ardent défenseur. Hein. C'est risqué hein. Judy pour le moment, ça tient. C'est pas le meilleur Triglav. Hein. Après le T2 tombe très vite. Il y a les camps, enfin les sbires qui arrivent, qui prennent l'aggro du fort. Il y a de l'espace maintenant, il y a de l'espace sur cette zone pour Genji et Tracer. Et on va se rediriger bot, on va avoir le 20. On est quasiment 3 niveaux d'avance maintenant, 3 niveaux d'avance et avec le T1 récupéré bot, c'est peut-être 4, quasiment 4.
Ah, c'est l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'avoir le 20. Et le snowball encore plus fort. Avec Tracer. Oh, joli sniper le route. Attention, quand même, faut pas terminer. Wubi tire bien. La sanctification très tôt de mise. On a eu peur du Triglave et d'une re-engage potentielle. Oh, attention, oui. Le stand 2. Le stand 2. Natchojin. Oh, yaya, c'était une IRL. Vaporisé. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Non. Ils vont siéger le corps. Hein. Il y a une catapulte sur la top lane, il y a des catapultes qui arrivent mid aussi maintenant, Malga. Je pense qu'on va siéger le corps. Hein. 5v4, on a le Shingan 17. En plus. Hein. C'est vrai qu'on a le Shingan du côté de. Ouais, bouclier sacré superbe de Jaytral qui tombe. Probablement Sniper, ça tient quand même dans le kill qui est récupéré. Lilithas qui devrait égaliser. Très bien joué, on enchaîne maintenant sur Rockwide, le slip de Blue Beetle pour sauver le Raynor. Et derrière, c'est Schnitch qui vient mettre de la pression sur Blue Beetle. Le deflect très très bon. Et on va enchaîner sur le corps, attention la bombe. Oh dommage, raté par poil cette bombe. Ça me rappelle un peu le Gold Club. Et Jay maintenant qui met de la pression sur Judy qui zone haut. Attention quand même, le stun de Wubi pour bloquer Natchojin. On n'arrive pas à tomber hein, ce corps pour le moment. Judy. Oh Jay qui a mis tellement de dégâts, Judy qui va mourir. Oh Judy qui a failli mourir. Et on va continuer, là c'est pas mal, faut tout mettre. Jay qui a le niveau 20, Judy qui va tomber derrière, c'est bien. Un partout Dilithas. À l'image de Genji qui se ressaisit sur la deuxième game. Un partout entre Dig et Miracle. Mais attention, les Coréens n'ont pas dit leur dernier mot. On les a vus très incisifs sur la partie précédente. Mais Dig qui se rassure, que ce soit sur la macro ou la micro, on a été excellent côté européen. Non, c'est sûr. C'est sur Snitch qui aura fait une belle game. Hein. C'est ça. Ça me rassure vraiment parce que sur la première, il a eu beaucoup de mal sur Sakirigan. Mais là, sur Genji, il a été incroyable. Et ça me fait plaisir. C'est vrai que Poel qui a raté quelques bombes quand même. Ouais. Mais souvent c'était son défaut. Il était super fort. Ça le club. Ouais. Non mais souvent c'est son défaut les bombes. Mais ça fait plaisir de voir Genji dominer à ce point-là. Dilithas. Oui bien sûr. Dilithas dominer à ce point-là justement cette deuxième partie. C'est rassurant parce que c'est vrai que on s'est fait peur sur la première partie et maintenant on repart à égalité. Et encore vous avez pas vu le visage de Terre parce que là il essaye voilà de sourire. Liquid, moi je les voyais plus favoris oui, au final, mais c'est vrai que Miracle, en prenant le premier point, voilà, il montre que finalement c'est très serré pour l'instant ce top 4 de BlizzCon. C'est pas fini TR, Dilithas sur Spider Queen, maintenant c'est leur choix de carte. Miracle après cette égalisation de Dig a tout simplement choisi le first pick, donc Dig a eu le choix de la carte et nos Européens qui vont essayer de justement faire rythmer cette partie, jouer sur les rotations sur Spider, hein, la plus petite map du map pool AGC, à savoir donc des cartes disponibles sur la scène professionnelle, il y en a 9. Et on a directement Ban Kirigan. Snitch a été beaucoup trop effrayant sur la première. Derrière Ban Mediv, c'était. Il y a eu un peu de vérité et un peu d'ironie. Le pick fait toujours peur en fait. C'est parce que, évidemment, si ça passe bien, Kirigan, c'est toujours un massacre. Hein. Ça fait très très mal comme héros. On l'a vu justement avec Liquid. Hein. Liquid qui a fait très très mal à Genji avec cette Kirigan. Et le ban Mediv aussi, c'est vrai. On en parle pas assez hein, de ce héros, mais Mediv qui est très très fort dans les mains des meilleurs. T'es obligé d'y penser face à Dig. C'est ça. Parce que là,
Bah, il y a Snitch, mais même les Gen J, on les a pas trop vus avec. Ah, et on sait que même Reach ou même Reset pourrait jouer potentiellement dans les livres. C'est vrai, en tout cas, Diablo de récupérer. C'est rare du Diablo First Pick ces derniers temps. Mais Diablo récupéré par Miracle. Attention, Judy avait fait mal au Liquid. Je ne sais pas si tu te souviens sur le groupe A. Miracle perdait sur Tour du Destin. Et ensuite, il y a Judy qui a dit non, je suis le Seigneur de la Terreur. Je Hellgate, j'ouvre les portes des enfers. Et, oui. Et je t'emmène dans les tourments éternels. C'était ce qu'avait dit Judy. Il a l'air gentil comme ça. Un véritable démon. Après, il y a déjà Raynor. Deux très bons picks contre Diablo. Hein. Tyrann et Raynor, ça fait très mal à la frontline. Et Deckard, justement, avec ce Diablo. Ils adorent Deckard, hein, les Miracles aussi. Le Beetle est excellent dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un monstre Deckard. Mais il le récupère beaucoup. Très rapidement. Ouais, et beaucoup. C'est ça. Et par contre, Jaina. Alors. J'allais dire, ça me rappelle. Linked. C'est le Linked coréen, tu sais. Bah après, il est vraiment non, fort. Il est très, très il est chaud super dessus. Fort dessus. Mais Jaina, par contre, qui a récupéré très rapidement. Et généralement, on en date un petit peu la Jaina. On la prend plus tard. Puisqu'on essaie de punir la frontline avec. Et finalement, on veut quand même la récupérer très rapidement. Je pense que c'est un bon pick, par contre, côté Miracle. On est sur une carte où le Wave Clear a une importance cruciale. Hein. Il faut nettoyer ces vagues de sbires. Si on veut avoir les gemmes, une fois qu'on a ces gemmes, il faut les poser pour envoyer les spiders, hein, les araignées. Donc. Très très bonne carte pour Jaina, c'est vrai qu'elle est sortie un petit peu tôt, mais d'un autre côté c'est s'enlever aussi une aiguille du pied puisque voilà, Jaina aurait pu être excellente contre Diablo. Ban Irel côté Dignitas, ban Johanna côté Miracle, très bon ban hein, cette Johanna. Jake a été excellent, notre français juste sur Volskaya sur la game d'avant, il a été excellent avec la croisée. Oh, et Tyrell Blaze encore une fois, ouais, Tyrell. Et Blaze, hein, Wubi aussi qui a été excellent aussi, hein, Wubi. Avec son Blaze, si Snitch justement avait pas fait cette X-Strike magnifique sur le point, je pense que j'aurais mis Wubi MVP même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a été. Il a raté une charge qui a failli le tuer. Je sais pas si tu te rappelles sur la mid lane. Moi je mets Snitch pour la première game aussi parce que sur la première il est passé un petit peu à côté. Il a fait des bonnes choses avec sa Kerrigan, mais il y a eu d'autres moments où il s'est complètement loupé. Et il nous a fait une sniper. Oh, Kenji, c'est vrai, qui était open. La speak par Miracle avec Lyric. J'avoue que c'est. Ah ouais, c'est, quand même, c'est vrai que c'est étonnant de le voir. Après, il y a des réponses hein, pour le moment. Tyrell, Raynor, t'as de la réponse. Le bunker pour t'abriter aussi. Face à des ninjas. Et maintenant, on va voir. La speak. C'est le pick de Snitch, hein, très probablement. Pas sûr, mais généralement, c'est Snitch qui va la speak pour se rendre. Oh, c'est Gen. C'est Jraiment qui va être récupéré. Genou pour les intimes. Remain de récupérer par Snitch, alors ça agréablement surpris Terre, agréablement surpris. D'un autre côté je voyais Hammer, tu vois, avec ce tir à elle, avec j'aurais pu voir Hammer, mais peut-être qu'on aurait manqué de Wave Clear et c'est pour ça qu'on est parti sur Remain. Ouais, peut-être, et puis c'est une très bonne réponse aussi à Genji, hein. Offensivement avec Tyrell aussi derrière, ça rentre bien dans le bunker, ça suit aussi une potentielle agression aussi de Wubi. Et avec Tyrell. Donc ouais, c'est vrai qu'on le voit pas souvent, mais. Sinon, c'était Phoenix pour le Wave Clear. Mais le problème, c'est que Phoenix contre Genji, c'est très dur. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis sur un Greymane. Hein. C'est vrai que le Wave Clear est quand même limite. Très limite. Mais t'as Tyrell. Ça fait l'inverse du Wave Clear, Tyrell. Ça empêche aussi le Wave Clear adverse avec la justice universelle, le bouclier. C'est ça, le niveau 1 aussi qui va renforcer le bouclier sur les alliés. Mais c'est vrai qu'en termes de Wave Clear, ils ont pas un énorme Wave Clear, les Dignitas. Par contre, en termes d'agressivité, Malga, ils ont de quoi faire justement. Et généralement, tu pars dans l'agression pour empêcher l'équipe ennemie de wave clear. Et même en siège au final. Greymane, très fort en siège avec les cocktails, les autos, etc. On devrait voir la portée d'auto-attaque au niveau 7. Raynor répond très bien. Peut-être un Hyperion, je pense, au niveau 10. À côté de ça, Blaze, excellent aussi. Les vulnérabilités qui fonctionnent sur les araignées, non, j'aime bien. Et le détail. Tyrande a énormément de détails. Ainsi que Blaze et Tyrell pour empêcher justement à Miracle de poser ses gemmes, donc non, j'aime bien la compo de Dignitas. Après, celle de Miracle est loin d'être ridicule, et surtout une équipe coréenne qui a Diablo Genji, attention, parce qu'ils savent très très bien rentabiliser. Honnêtement, j'adore aussi la composition de Miracle. Le seul point peut-être un petit peu sensible, c'est qu'on pourrait quand même avoir beaucoup de dégâts sur la frontline et des cartes auraient peut-être des soucis à soigner, parce que on a potentiellement une boulette de Greyman, la boulette bien sûr, les stuns de Blaze, CV du stun Tyrann, la marque Tyrann, et Raynor fait très très mal aussi à la frontline. Donc, je sais pas si Descartes peut vraiment tenir tout ça. Après, boulette,
c'est possible qu'elle soit récupérée. Parce que bon, Aguilneas, le rap, on adore. Mais en plus de ça, tu as le à la gorge qui peut bloquer complètement Genji et Jaina. Parce qu'un croc-croc peut aller très très vite, justement parce que t'as pas aussi de quoi soigner tout le monde du côté de Descartes Kane. Sur tous les autres aspects, le croc-croc, hein, bien sûr. À la gorge. Donc c'est très bon les croc-croc. Et ça irait très bien justement pour contrer le Genji, pour aller dive la Jaina. Mais le Rick, c'est fragile aussi quand même. On va voir. Bah, pour un off-tank, ça peut se tomber. Ouais, mais vite, la boulette, bien sûr. Je vais avoir du La boulette, en vrai, elle est forte que contre Diablo. La boulette maudite, voilà, on va dire la ça. La balle maudite. La balle. Ou maudite. La belette. Le petit animal. Ah, c'est peut-être pour ça que je dis boulette, en fait. C'est ça. The bullet. The bullet. En tout cas, on est parti avec nos Européens. JPL, notre Français sur Tyrael. Wubi, qui sera sur Blaze. Poilk sur Raynor. Snitch sur Greymane. Et enfin, Zaelia, le support de Dimitas sur sa Tyrande. On voit le tag. Champion de l'Ouest, évidemment, pour Dimitas. Côté des Miracles, on aura Jody sur Diablo, Sniper sur Genji, Frank White sur Jaina, Blue Beetle sur Drake Arcane et enfin Nachojin sur Leoric. Alors, concernant les niveaux, hein, on a l'acharnement pour Greymane, As dans la manche, Justice Universelle, la purge pour Tyrande, stimulant neuro pour le Blaze. T'as pas autant besoin de l'incensi ici, donc je peux comprendre stimulant neuro. Miracle au niveau 1, plutôt classique. A noter le salaire de la peur, la sustain sur les salles. Attention Judy, directement inquiété Judy. Oh, le Q de poil qui a presque sauvé Diablo. Il voulait finir. Et plus tu es, plus Raynor est proche d'un ennemi, plus son A repousse. Attention Sniper qui se fait bloquer par Wii Wubi. Qui il a dodge le drain en même temps. Attention Sniper. Attention Sniper, le stun qui passe. Oh là 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 là. Ah, départ en fanfare pour les Dignitas. Ouais, très super très propre. Wubi Zaelia. Hein. Mais alors, je sais pas si t'as vu, hein, le Q de Raynor aussi était bon. Pourquoi? Parce que Diablo avait encore CD. Ce qui fait qu'il a voulu justement empêcher Diablo de contre-attaquer sur la mid lane en prenant quelqu'un, en le ramenant vers son équipe. C'était. Ils ont mis tous les dégâts possibles et derrière, ils voulaient partir en retrait. Alors qu'on voit. Ils font jamais trop les dégâts. Ils font pile poil ce qu'il faut généralement. Après, plus t'es. Il aurait aimé, à mon avis, être plus loin parce que plus loin, il aurait juste bloqué un éventuel E. Or, comme il était très proche du Diablo, plus avec Raynor vous êtes proche d'un ennemi, plus le A va bump loin en fait. Alors que si vous le faites max distance, le bump sera presque mini. En fait, ce sera presque un mini bump. En tout cas, le hardcamp qui est entamé par les miracles. Et Greymane, il va y aller aussi. Après, la différence, c'est que plus t'es proche, plus tu peux enchaîner sur quelqu'un d'autre derrière aussi, ainsi de suite. C'est pour ça qu'en auto-hitter, généralement, tu prends un petit peu d'avance, tu fais des hit and run avancés parfois quand tu veux être agressif. Et à l'inverse, tu recules lorsque t'es défensif. Allez, en tout cas, le hard de chaque côté. N'oublions pas que la justice universelle côté de Tyrael peut soutenir justement un duel entre les deux hards. Sachant que le hard camp fournit de la résistance anti-magique. Donc Jaina va avoir un peu plus de mal à le wafler. Alors que Greymane et Raynor, c'est des auto-attaqueurs. De toute façon, Greymane est top. Blaze est bot par contre. Genji qui est en train de réaliser tout seul comme un grand le easy camp. Ouais, niveau 4 qui vient de tomber. On aura l'armure sur Raynor quand même cette fois. C'est vrai qu'on avait vu Jaina. Arcaner jouer tout à l'heure les HP supplémentaires ça. Qu'on voit un peu moins quand même maintenant. On voit un peu moins, ouais, effectivement. Parce que l'armure c'est fort contre le burst, mais il y a un autre point aussi, c'est le CD, mine de rien. Donc même parfois quand t'as moins besoin de l'armure, le CD est quand même super, ça a plus de, super plus important. De sustain, aussi. Hein. Plus de sustain. Et après il faut pouvoir l'activer. C'est bien encore l'armure sur Tyrell là, non? Ouais, c'est l'armure au niveau 4. Mais deux fois du coup. Attention, Jay. Essaye d'anticiper un petit peu le easy qui est bien des push pour le moment par Wubi. Oh, c'est bien ça parce que le hard, je m'attendais à ce qu'il fasse plus de dégâts que pour les digs. Et quand j'ai vu le hard tomber, je me suis dit aïe aïe aïe, attention Miracle a envoyé le easy bot, mais au final c'est bien désamorcé de chaque côté en fait. Souvent Dignitas fait le hard, pas forcément pour push les structures, surtout quand il y a beaucoup de dépush en face, mais pour placer des gemmes. Ils en profitent justement pour aller poser des gemmes, et là on voit justement ils sont à 25 gemmes et 0 gemmes posées pour les Miracles. Ouais, et puis c'est pas simple parce qu'il y a du détail. Ah la chouette qui a été bloquée. Ouais, mais le stun, il veille au grain Zaelia. Tu me bloques la chouette, ok, tu pourras pas me bloquer le stun. Et au passage, le mana hein, pour Greymane au niveau 4, il est quasiment en poste de solo sur cette voie du haut, donc il a besoin d'être autonome. Il a pas de sustain, mais au moins il aura, enfin pas de sustain PV, mais sustain mana. Parce que mine de rien, il doit des push au cocktail, il doit des push en essayant de se télétransformer en worgen tout simplement. Et mettre des petits coups de patoun qui consomment du mana. Toujours pas de gemme posée pour les miracles. C'est beau hein.
Ouais, Tinitas ils sont très forts hein, sur Spider. Attention le go in sur Qualk. Qualk qui claque l'armure, pas de problème. Jay qui vient aussi s'interposer et faire proc son niveau 1. Pas de problème pour Dignitas, tu l'as dit, grosse maîtrise pour le moment de la part des Européens. Et pourtant on sent que sur la mid lane on galère un petit peu au niveau top. FP1. Attention top, Grey Main. Attention Grey Main, Snitch, bien joué, le chemin de fuite. Ouh. Et en plus Sniper qui touchera pas. C'est parfait, on repart tranquille. Qualk qui vient même apporter la supériorité numérique pour protéger Snitch. Et on essaye de poser côté Jaina. Est-ce qu'on s'attiendra? Ah, Grey Main voulait bloquer. Ah ça y est, les premières gemmes de poser. Par les miracles, le stun qui a été mis, Stitch qui rentre des bonnes patounes. Attention quand même Stitch, attention quand même Stitch à pas aller trop loin. Ouais on passe, on désengage. Avant que Judy puisse mettre un combo. Ah il avait pas l'encure, il avait pas encore le Q, hein. Il l'avait mis juste avant. Snitch juste avant. Ah, Jake a essayé de payer, ça suffira pas. Il y aura le cube encore qui peut arriver potentiellement. Mais voilà. Alors passage, tromblon de chasseur, pas tromblon de chasseur, ballon vif argent, donc la portée. Sur les autos, verdict instantané qui forme. Alors, la verdict instantané. J'aurais presque vu l'aura de précision pour Tyrande au 4, mais non, on a besoin du détail. Donc, a pris la portée sur le stun. Attention, Judy. Shop Raynor. Ouais, la verdict instantané, parfait de Tyrell. Permet à Poil de se replacer. Il y a la vitesse d'attaque, le stun demi également. C'est vrai qu'on aura probablement à la gorge. Hein. On a déjà Raynor qui canarde depuis tout à l'heure la front lane constamment. Du coup, on aura probablement un croc-croc. C'est pour justement aider l'autre côté que Dig n'a pas forcément. C'est ça. Puis de toute façon, lui avec la portée sur le 7, Grey Main, il peut taper aussi Diablo. Hein. Soulager, mettre plein d'auto-attaque sur le Diablo. Diablo d'ailleurs, parti build charge. Ce Diablo, mais Vindict instantané, elle va tellement bien proc avec Grey Main, Raynor, Tyrande. Ça va être fort, hein. Ça va être costaud, que ce soit pour la move speed ou pour la vitesse d'attaque. Il y a beaucoup de gemmes placées par Diablo sur sa bot lane. Ouais, voilà. Il va pouvoir les poser. Ça c'est dur. Hein. Ça c'est. Attention, sur Zaelia. Tiens, châtiment. On a fini de stacker au passage pour Frank White avec les globes. J'ai hâte de voir le 10 de Snitch. Snitch était un excellent joueur de Grey Main. Hein, ouais. Sur l'ancien roster d'Initas, il jouait énormément Grey Main. Snitch, oh Snitch qui va loin, Snitch. Il va très très loin. Ça va aller. Il y avait Zaelia et Jay. On n'a pas tout claqué en plus. Il a même attendu avant de heal, hein, Zaelia. Ouais. Au cas où pour essayer de bait potentiellement Genji peut-être. On était dans l'après. On était dans l'après en mode venez, venez, venez. C'est ouverture de la fête foraine, venez venez. Allez en tout cas, un sniper qui prend un mauvais trade contre Poil Garde. Jaina qui paye bot. Jaina qui paye bot. Super la move speed de Jay, par contre il a un problème de mana. Oh ouais, tu l'avais dit, Jaina qui paye. Premier paiement pour les Coréens. Ouais, et ça c'est excellent pour les Coréens. Beaucoup de wave clear en plus hein, pour ces Coréens. Après côté on va voir aussi comment ils vont gérer. Alors Greyman a énormément de wave clear s'il est tout seul sur une vague. C'est super super. S'il est tout seul sur une lane, il va détruire vraiment la spider très rapidement. Après côté Dig, en dehors de ça on n'a pas grand chose. Il y a Blaze qui est très bien aussi. Ouais mais il sera pareil, il sera sur une side lane. Mais mid lane voilà, on va voir Tyrell, Raynor et Tyrande. C'est pas. Et voilà, ils comprennent bien les miracles, hein. Ils bloquent justement la rotation vers la mid lane. Alors là on voit Grey Main. Des coups de patoon de partout. Bon voilà, c'est bot. Alors bot lane, on a Léoric versus Blaze, ça tient pour Blaze pour le moment. Très facile, et belle maudite au passage le 10 de Grey Main. Eclipse des lunes, sanctification, bunker et Banshee. Allez bot, action. Attends, tombeau qui a été claqué sur Ubi. Ubi, il a toujours le bunker, l'éclipse des lunes utilisé pour soigner de l'autre côté de la carte. Ubi qui a utilisé son bunker, Ubi qui est pas bien. Très bon slip de Blue Beetle. Et attention, la peau en sortie superbe de la part du Miracle. Sanctification parfaite de Jay. Et on va se retourner sur Nacho Jin qui tient Nacho. Mais quel sanctif de Jay. Attention, il est pas sorti de l'auberge par contre. JPL, ça tombe le reset de Sniper sur Poil peut-être. Ah, il peut pas en profiter. Oh, par contre, oui, Jay qui a été chercher le kill sur Nacho Jin. Donc on est sur un 2 pour 1. Pour Miracle. 2 pour 1, mais il y a encore 70 gemmes pour Miracle, ce qu'ils vont pouvoir justement effectuer ce paiement. Jaina a combien de gemmes? Je crois qu'elle a 60 gemmes presque. C'est peut-être elle qu'on a beaucoup. Voilà, puis on a perdu, on a concédé le T1 bot hein, aussi côté ouais, Nitas. Et là mid c'est pareil, hein, le T1 a pris énormément de dégâts. Très belle rotation sur Booby, même si ça c'était limite. Hein. Si Blue Beetle mettait pas un slip parfait comme ça là, parce que Tyrande était vraiment à 1 cm de pouvoir justement remonter Booby. Des très très belles sanctis de Jay aussi pour sauver bah, je sais même plus qui. Zaelia. Surtout que c'est marrant parce que Diablo était en train de retourner Tyrande. Il y a la sanctie et là, non tu lâches. elle était à la limite justement de sanctie. Et ça a fait tu lâches s'il te plaît.
C'est marrant. Alors, le duel Tyrell versus Diablo. Le hard camp justement pour défendre un petit peu ce paiement. Il y a même Whoopi qui est venu hein, malgré pour essayer de calmer ça. Parce que la bot, il y a une énorme vague sur la bot lane. Il va falloir défendre ça. Whoopi qui veut même. Il a essayé de prendre le raccourci, mais au final, il doit faire le tour. Il s'est bloqué par Nacho. Par contre, ça va faire mal, bot. Hein. Ça va faire mal, bot. Hein. Red top, attention, Genji. Avec Remain qui est mid life quand même. Hein. Et Genji aussi. Hein. Apocalypse. Oh, oh là là, c'est bien avec Eclipse. Oh, c'est Eclipse parce qu'ils sont invisibles, du coup, on peut pas charge. Mais il est fou ce mec. Ouais, il est incroyable. Incroyable parce que là, il a pré-shot l'Eclipse en prévision d'une engage de Diablo. C'est superbe. Surtout que maintenant, c'est pas un petit CD. Attention, Stitch par contre. Il va se faire complètement bloquer. Il y aura rien pour le protéger. Greymane qui tombe. Il y a beaucoup de gemmes. Est-ce qu'il pourra aller chercher Poilt? Non, il hésite. Il peut pas. Il peut pas. Et Stitch qui s'incline sur cette top lane. Ah, et attention, Miracle avait... qui a deux niveaux d'avance. Il avait tellement sauvé Snitch la première fois, justement, avec l'éclipse des lunes. Avec l'éclipse. C'était pour le fufu. Tu sais que j'y ai pensé en plus, je me suis dit, Greymane peut-être qu'au 4, bon, il avait besoin de la mana, mais au niveau 4, ta fufu peut être intéressante contre Diablo pour pas qu'il puisse, le charger en fait. Et après, ça a été utilisé comme rare. Ça. Mais ouais, c'est. Là, l'éclipse c'était juste. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Non, mais ce joueur, hein, il voit des choses que. Il voit tout en fait. Zaya, il voit tout. Et il anticipe tout en fait. Il voit tout et il sent tout. Impressionnant. Impressionnant, Zaya. Après Snitch avec son Greymane pour le moment, il a un rôle un petit peu ingrat, c'est celui qui doit éponger cette voie du haut, les miracles poussent dessus. Oh, le dépouche qu'on a sur ce boss avec Greymane et Raynor. Plus la manique instantanée. Sur les deux. Sur les deux en plus. Allez-y les gars. Tu sais c'est Jay, il arrive. C'est comme quand s'il donnait de la nourriture à des cochons, tu sais, tout de suite. Bon après, bon là c'est une mauvaise image pour Snitch. Oh là là. C'est une image pas très gentille pour Snitch. Aïe, 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 mais non, aïe, mais c'est presque ça, c'est l'heure de manger. Le banc de table, c'est pas des ordis en fait, c'est des assiettes. Bon, ok, on va dire plutôt, on va essayer de trouver un truc. C'est comme, là c'est, tu vois, le papa qui vient donner des cordons bleus à ses enfants. C'est l'heure des cordons bleus. Et il va les chercher. Ils vont les chercher, ils tapent très très vite. En tout cas, le Maraude au 13 pour. Oh, Whoopi qui a repris l'aggro. Oh, le camp qui est encore là, ça c'est excellent pour Editas. Ouais, superbe. On va pouvoir avoir une pression supplémentaire sur la botlane. Par contre, il y a le hard camp évidemment envoyé par les Miracles. Donc là, c'est le moment où Editas doit revenir. Parce qu'il y a voilà, deux niveaux d'écart quand même. Un Miracle qui domine cette partie. Après, il y a beaucoup d'XP qui dort pour Dig. Beaucoup, beaucoup d'XP qui dort. Et ils ont une compo qui est en late game. Tyrell, Greymane, Raynor. Tyrande, bon Blaze c'est pas extraordinaire mais en late game quand même la compo Dig elle est forte hein. Elle est forte, Whoopi qui met de la pression, attention le tombeau 2, Stitch qui est pas forcément bien. Mais Diablo est hot avec Jaina donc on va pas pouvoir faire plus la Cho'Jin le stun, attention. Allez Jay qui va haut, essaye de pressuriser la Cho'Jin le stun qui touchera pas, côté Whoopi. Mais on n'est pas bien, la Cho'Jin qui va devoir reculer. On tombe peut-être. Eclipse et Lune qui a été mise, attention, là, bien joué, bien joué. La peau qui touchera pas, et la engage de Whoopi. Oh là 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 là, et la sortie. Pour ne blesser aucune chance aux Coréens, la Cho'Jin qui tombe, superbe teamfight qui réveille super. Un public qui était à mort forcément, parce que Miracle est de niveau d'avance. Ouais, superbe retournement de situation, le bunker parfait, et derrière on engage parfaitement, et maintenant que tu l'as dit, l'XP qui dort, elle est récupérée avec les deux T1, et on va directement sur le T2. 20 secondes, hein. Mais attends, ça va vite, Greymane Dreamer, hein. Greymane Dreamer avec un Tyrell. Non, on veut pas le faire. Il y a l'Euric qui arrive quand même. Ah, ça serait beaucoup. Non, non, ils sont pas avancés. Non, ça trahit leurs intentions. C'est parti très vite au début parce qu'il y avait la Vindic peut-être directe. Ouais. Ensuite, il y a eu un petit moment. Voilà, c'est ça. Parce que là, ouais, j'ai vu Raynor Greymane. Là, j'ai fait. Oh la vache, ça va attention, vite. Attention parce que ça peut payer des deux côtés bientôt. Hein. Ça peut payer des deux côtés. Et là, le paiement Miracle pourrait les aider énormément ici. Ah, on a réussi à sauver pas mal de gemmes à côté Miracle. Oui, ouais. Parce qu'en fait, je crois que Léoric a récupéré les gemmes, s'est tué pour récupérer les gemmes et les a rapportées. Là, Cho'Jin qui a interrompu le paiement. Mais ça va quand même passer pour les Dignitas. Jack qui doit back, hein, juste avant l'arrivée des araignées, forcément. Tyrell, très très man à bord. Et tu l'as dit, hein. Là, on entre dans le late game. Et pour le moment, les deux frontliners de Dignitas hein, sont les MVP. Hein. Ah là les bunkers encore. Après Zelia excellent mais enfin. Les bunkers de Whoopi à chaque fois hein. Entre la game d'avant et là maintenant. C'est. Il est parti encore Jay. Bien inquiété Nacho'Jin. Parce que la Sancti tout à l'heure elle est extraordinaire. Celle-là un peu moins mais c'est la Sancti tu sais, t'as pas de réponse.
tu peux rien faire. C'est sûr. Si on gagne cette fight, de toute façon, on va gagner sur les prochaines minutes. En fait. Il n'y aura aucune réponse possible. Voilà. C'est pour pas se faire casser, pour pas se faire cancel. On met beaucoup de pression mid, on a envie que les side lane se pushent elles-mêmes. Non, ils vont monter top, j'ai l'impression. On va transiter. Alors on prend la cette porte. D'accord. On a de la haine pour la porte. Ah, la Kata du coup qui a pris l'aggro sur la porte. Et c'est pas grave, on va pressuriser top. Alors, c'est pas terrible hein, pour l'instant. Après, ils en ont d'autres encore, il me semble. Non, ils en ont pas d'autres. Ah, du coup, il faudrait essayer d'aller loin pour Dignitas. On a un niveau d'avance maintenant côté européen. Jay qui met de la pression sur Sniper. Il a le 13 hein, donc il peut repartir. Oh là là, il a pris très très cher Sniper. Ouais, Wubi qui vient mettre le stun. Stun suivi. Par attention, Attention Wubi. Bouclier mastodonte de claquer par Wubi. Il va avoir un énorme shield. Le tombeau sur Stitch, l'éclipse et lune. La sanctie, ah, ouais, bien joué. Bien joué parce que Judy aurait pu chercher. Ça fait mal de dire cette sanctie, mais elle est indispensable. Attention, de Judy! Oh, yoï! La boulette! Et attention, Judy, le stun maintenant! Il y a le bunker pour s'abriter du slip. Diablo qui tombe, c'est pas forcément fini! Stitch sur Brock White! Le kill de récupérer, il tient avec le châtiment! Stitch qui s'en sort! Oh purée, il y a tellement en plus de respect de Stitch envers Brock White, mais il lui a montré qui est le patron là-dessus. Oh, il avait les dents longues, hein, Snitch. Et en plus, c'est Snitch qui parlait de Frank White. Hein. Ah oui. C'est lui, justement, ouais. Qui disait que ce joueur était excellent. Et à l'époque où il était pas très connu, en plus. À l'époque où il était pas très connu, il a dit ce mec, laissez-lui un peu de temps, vous allez voir ce qu'il va faire. Il s'était même retweet en mode, alors. En mode, alors. Qui avait alors, moi-même. Alors. Ouais, j'avais pas dit n'importe quoi. Et là, c'est un deuxième T2 qui va être récupéré en même, vouloir plus, faire en fait, plus. Hein. Puisque Jaina est encore morte et surtout Greymane, Raynor, et tu l'as dit, la vindicte instantanée qui va faire très mal. Allez, le T2 qui tombe avant même, et ils sont sur le corps, hein. Ils vont sur et le après, corps. Et après, il y a la sanctie. Hein. Dans pas longtemps, il faut si on a la sanctie sur le corps, ça pourrait faire très très mal. Surtout avec le 20. Hein. Et le bunker aussi. Avec le 20 et 25% de dégâts. Attention, Judy, le stun sur Judy. Oh là là, il y avait un Diablo. C'était un Diablo, par contre, Greymane est tombé. Le slip de Blue Beetle, il est bon. Sur la front line, mais on a bien protégé Poil Kizalia, ont réussi à sortir, ne pas se faire slip grâce à la bunker. On va aller sur le corps. Wubi qui attrape Sniper qui repart, le bunker de mid, Poil qui faut rentrer, il faut s'abriter. Peut-être on sort Sancti, voilà parfait, sortie de bunker. On a les dégâts supplémentaires de la sanctification. Dignitas, est-ce qu'ils pourront le faire? Dignitas qui va mener 2-1 dans une game particulièrement tendue. Mais c'est les patrons. Dignitas qui mène 2-1. Mon cher TR. Et les deux favoris, hein, Genji Dignitas qui transpire quand même sur ces deux demi. Non, c'est clair. Genji contre Liquid et la Dig contre Miracle. C'est clair, hein, même moi je transpire. Hein. Je t'avoue que cette game, il y avait deux niveaux d'avance justement pour Miracle, malgré deux niveaux d'avance. Et au final, c'est Dignitas qui revient, tu le disais, l'XP qui dort. C'est important, mine de rien. Et Dignitas a pris énormément d'avance avec ce paiement. Elle fait dodo et tant que. Voilà, tant que c'est ça la force d'Heroes aussi. La richesse, on l'a vu hier avec les games de Liquid, avec ses Vikings. C'est ça qu'on aime aussi sur Heroes, c'est cette stratégie, cette capacité de revenir, avec sortir des compositions. Tout est viable, il n'y a pas de perso vraiment poubelle. Mine de rien, le pick rate aussi de ces choses. La prochaine carte, c'est Dignitas à la baguette. Et c'est une carte qui sourit bien à l'Europe. Valmody, mon cher TR. Valmody, choix de Dignitas. Ouais, Valmody qu'on voit pas beaucoup. Non. Qu'on voit pas beaucoup. Sky and Temple non plus. Et évidemment, Braxis qu'on aura vu une seule fois. Et elle est triste d'ailleurs. Hein, la seule Braxis qu'on a vu, bien sûr. C'était la défaite de Liquid tout à l'heure. Tellement dommage. Contre Genji. À rien. On aurait pu avoir potentiellement une finale 100% européenne. Bon, c'est pas encore fait, calmons-nous. Mais c'est vrai que Liquid était dominateur contre Genji de partout sur Braxis. Et là, c'est Valmody, autre joueur, autre équipe, autre match. 2-1 pour Dignitas, balle de match pour l'Europe.
Eh oui, we don't need a miracle. Hashtag Digwin. Et bien sûr, vous pouvez évidemment soutenir Dignitas avec le hashtag Dig. Bon, Digwin, ça marche pas, mais c'est, vous pouvez tout à fait le mettre aussi. Hashtag Dig pour soutenir Dignitas. En tout cas, Medivh de ban par les Coréens. Et la réponse, on enlève la Maiev de Sniper. Ouais, la Maiev de Sniper qui fait mal. Et le Medivh de Snitch aussi, hein, qui sort pas. Il oui. sort pas dans cette computation. Ouais. On bloque complètement le Medivh des Dignitas. Tout comme la battue, hein. Logique. Et oui, la battue aussi européen qui fait mal. Et en plus, il n'y a pas que Snitch sur abattue. Il y a même Zaelia qu'on voit très souvent. Support, hein, et il est excellent aussi sur abattue. Hein. Zaelia, on le rappelle, c'est quelqu'un de très flexible qui est capable de jouer énormément de héros. Et ça lui correspond très bien ce genre de pick. Et c'est Diablo de ban, hein, malgré, on le disait, hein, Diablo pas simple à first pick. Oh par contre. Après, le Genji a été très très bien mutilé sur la game précédente. C'est plus le Diablo, hein. Judy, il est impressionnant sur le Diablo. Et Bill Charge en plus, beaucoup d'impact. Ah, par contre, Tyrande Garrosh côté Dig. Depuis tout à l'heure, on n'a pas eu accès au Garrosh côté Dignitas. Et là, il y a une excellente réponse à Genji. C'est vrai que c'est Genji first pick. On laisse beaucoup Genji dans cette série pour l'instant. Troisième Genji, hein, déjà. C'est vrai. Sur cette série, sur 4 games. Alors qu'on voyait très très peu de Genji. Bah, je crois qu'on ne l'a pas vu des phases finales en fait. Si, hier peut-être. Hier, je crois pas non plus. Hein. Ah, t'es sûr? Il me semble qu'on a vu du Genji hier. Alors qui? Sur les BO de fin de soirée, non? Tempest Miracle, il n'y a pas eu un Genji qui bah a été non, joué? Non, je crois pas. Hein. Peut-être Genji The One, mais c'est tout. Hein, Genji The One, il y a eu un Genji aussi, je crois. Côté The One. Il me ouais, semble. Je sais pas, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir vu. Non, on n'a pas vu beaucoup, ça c'est ouais. sûr. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était le premier. On n'en a pas eu entre Liquid et Genji. En tout cas, DAK à Nubarak pour Miracle. Kopo qui peut se ruer vers l'avant. On a un global avec des AK. Oh, Anna de ban. Ah, on avait peur de Liming Anna peut-être. C'est bien senti par Denitas. C'est bien senti. On voit la petite attention pancarte. À cette hammer. La hammer pourrait sortir de côté des Denitas. Ben voilà, parfait. Voilà. Parce qu'avec Garrosh, c'est très fort. Et on sait que sur cette carte, ils aiment beaucoup aussi jouer de la hammer. Ils auraient très bien pu faire des cartes Kane. Des cartes Kane hammer, les Denitas. Qui marchent très très bien ensemble. Mais non, je suis bête, il y avait Tyrande, je n'importe quoi. Mais après c'est fort aussi. Hein. Oui, Tyrande Hammer, c'est très ça. Tyrande Garrosh Hammer, excellent. Allez, en tout cas double pick pour les digs. Hanzo. Oh, Hanzo et Raynor. Hanzo qui est très très bon sur Valmody pour pouvoir gérer les camps, les boss, il y en a deux potentiellement. Tyrell n'est pas récupérable en tout cas pour le moment. Je vois pas un Tyrell solo lane, mais pourquoi pas côté Dignitas. Mais de toute façon, côté Miracle, on a les deux mêlées, donc sauf si on part sur un triple tank. Donc pas de Tyrell. Hanzo est excellent pour gérer les boss. On a déjà une énorme condition de victoire avec un Hanzo, plus le détail hein, qu'il offre. Et Jaina, Malfurion pour Miracle. Jaina sur Curse, ça fait très longtemps qu'on en a pas vu justement. C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur Shrine, beaucoup sur Spider, sur Doom. Mais par contre. C'est vrai que sur Curse, on en voit pas tant que ça, des Jaina généralement. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Lunara, je vois le Lunara avec le Carbot évidemment, mais on n'a pas eu de Lunara. Et Blaze pour Wubi, excellent hein, dessus. Excellent, je voyais une pancarte Unstoppable. C'est un peu la description de Wubi sur cette série. Son Blaze, bah, il a 100% gagné, non? La première, il avait pas Blaze. Ouais. Donc depuis qu'il sort Blaze, attends, 100% gagné. La première, il avait. L'Heroic. Ouais, bien vu. L'Heroic. Mais même sur l'Heroic, il était chaud. Hein. Ouais, hein, là, Wubi, ce soir, il est chaud bouillant. C'est un homme des grands soirs, Wubi. Il est chaud bouillant. Ses bunkers sont juste incroyables à chaque fois, donc pas étonnant de le voir à chaque fois sur Blaze. Après, honnêtement, on l'a pas beaucoup vu sur DAK sur ce tournoi. Mais ça. Et j'aimerais bien le revoir dessus parce que on se rappellera toujours de son DAK qui l'a mené justement champion du monde avec ce Fnatic. DAK avec Fnatic. Mais c'est pas mal parce que là, tu montes pas non plus. Parce que là, Dignitas, on voit une certaine dépendance à Blaze, forcément, par rapport à ce qu'on vient de dire. Je suis sûr que Noblesse l'a analysé, hein, ça aussi. Mais le truc, c'est que tu lui enlèves Blaze. Il a d'autres forces, il a d'autres arguments, Wubi. Donc, toujours très intéressant. On le rappelle, balle de match pour l'Europe. Dignitas, la baguette, évidemment, avec notre français JPL, qui pourrait s'offrir une place en grande finale de cette BlizzCon 2018, de ces championnats du monde 2018. Avec un Genji Dignitas potentiellement, mais il va falloir d'abord gagner cette game sur Valmody. Bien sûr.
c'est sûr. Il faut gagner, hein, c'est important. Parce que là, Miracle, c'est la première équipe qui met autant de pose autant de problèmes à Dignitas depuis un bon bout de temps, hein, Malga. Mais c'était anticipable. C'est la première fois que ces équipes s'affrontent. Ouais, c'est vrai. Et ils sont tellement en roue libre. Miracle, ils ont peur de personne et de rien. C'est... ils arrivent dans la place, ils font... tu vois, c'est l'inverse de Tempest. C'est pas pour rien aussi. Hein. Alors... Tempest, en ce moment, ils respectent tellement tout le monde qu'ils ne croient plus en eux. Miracle, ils arrivent, ils font... on va tous les avoir. J'ai hâte de voir un petit peu comment va se comporter les carrés un petit peu d'unité, parce qu'on a quand même du Raynor plus Hanzo contre un Genji. Et ton support, c'est une Tyrande. Heureusement que t'as un Garrosh quand même. Sure. Mais t'as Jaina aussi, de l'autre côté, pour embêter le Garrosh. Ouais, pour embêter le Garrosh. On va voir, mais l'avantage, c'est que je pense que, voilà, généralement, Jaina, gros counter de Garrosh. Mais sur Curse, cette carte, ouais, t'as beaucoup de petits couloirs, t'as beaucoup d'endroits où on te voit pas trop, et en plus, on connaît Jay sur Garrosh. C'est, je pense que c'est son héros. À l'heure actuelle, c'est son héros. Depuis la deuxième phase de Tintas, je trouve que Jay, il a le meilleur Garrosh européen. Ouais, parce que. Et on aurait pu dire du monde s'il n'y est pas Sign, hein, parce que. Il est extraordinaire dessus. En tout cas, la game ne devrait pas tarder. Balle de match pour Dignitas dans cette demi-finale. 2-1 pour le moment. Et on va retrouver notre français Jay sur son Garrosh Hellscream. Poilk sur Hanzo. Snitch sur Raynor. Zaelia sur Tyrande. Et enfin, Wubi sur Blaze. Et un sensio hein, d'ailleurs pour Blaze. En même temps, il y a beaucoup de CS en fait. Et du côté des Miracles, Malga, Sniper sur Genji, Blue Beetle sur Malfurion, Frank White sur Jaina, Judy sur Anubarak et enfin Nacho Jin sur DAK. Allez Dig, 3-1, très très bien. On se préparerait vraiment vraiment bien. Alors, pour la grande finale. On va aussi voir Blue Beetle, hein, ce qu'il donne sur Malf mine de rien parce qu'il a énormément joué des cartes Kane. C'est pas linked, t'inquiète pas, il est excellent sur tous les supports Blue Beetle. Il a une excellente Ana. Je sais pas si tu te rappelles la Ana des phases de groupe. Contre Genji, ils avaient perdu, mais il avait été. Il avait rien raté. Blue Beetle, il s'est joué. Là, on l'a vu, grosse dépendance sur le Descartes Kane, mais il s'est tout joué. Hein. Il s'est tout joué. Alors, comment Dignitas. Et je pense que Dignitas a très bien anticipé le Ana Liming d'ailleurs. Ana Liming, je pense que Miracle voulait partir dessus. On pourra jamais le savoir, sauf en demandant à Nacho Jin ou aux autres joueurs, mais. Je pense que virer Ana était une excellente initiative de Dignitas. En tout cas, voilà la répartition, hein, les Dignitas qui veulent mettre de la pression sur cette top lane avec Raynor, Blaze et Tyrande. Garrosh qui va juste récupérer l'XP mid. Alors évidemment, il n'a pas une force de push énorme, hein, Garrosh, c'est même horrible. Mais bon, il va juste récupérer l'XP pour l'instant. Ça, parce que dans ce genre de game, tu peux pas te... Parce qu'en vrai, Garrosh au 4, avec la mise à mort, il a un super dépush. Le problème, c'est que tu peux pas jouer mise à mort dans une game. C'est pas pour rien que Blaze est parti l'incensie au niveau 1. En face, t'as Anub, DAK, Malfurion, Jaina, t'es obligé de partir en l'incensie. De toute façon, dans tous les cas, c'est à force, c'est un talent qui va devenir obligatoire sur Blaze bientôt. Parce que les gens jouent de mieux en mieux contre. Et du coup, le seul moyen un petit peu de contrebalancer ça, c'est d'avoir cette Sceptre sur Blaze. Ah oui, sur Blaze. Non, parce que moi je parlais du coup de Garrosh, tu vois, avec l'incensie au 4. Ah, oh, pardon, non, je parle de Garrosh. Mais sur Blaze aussi, en vrai, c'est un lapsus parce que ouais, sur Blaze aussi... t'as d'autres outils. Toi, t'as le bunker, t'es pas. Honnêtement, Garrosh se fait tellement kite, il se fait tellement poké. Elle est obligatoire. Plus les gens ça, apprennent à jouer contre. Attention, Polk. C'est bien joué. C'est pour ça qu'on laisse Hanzo bot, solo. C'est pour sa capacité à survivre avec son agilité naturelle. Ça peut aller vite, hein. Genji, Jaina, ça peut aller très très vite. On n'est pas tombé dans le piège, bien joué de la part de Polk. Mais même Blaze, hein. Blizzard a clairement l'intention de mettre Blaze jouable en main tank. Donc l'incensie est un moyen important pour que, et tu l'as dit, on en a parlé, c'est pas forcément suffisant. Ah bon, par pour contre, moi faut sniper Walk. Walk. Oh, 1v1, bot lane, avec un easy camp, tu peux pas te cacher. Et en plus, oh là, il survit à l'engage. Ah mais c'est ça, il survit à l'engage, il le tue en 1v1. Et maintenant Wubi va mettre de la pression avec le camp. Il cancel. Alors, je me demande s'il voulait. Ouais, voilà. Je me demande s'il voulait pas stun le coup de langue sur le easy. Tu vois, essayer de instantanément stun. Mais Nacho Jin il a attendu. Je pense que ça s'est joué un petit peu là-dessus. Il y a un man game. Parce qu'évidemment, les coups de langue, hein, tu ramènes les easy sous les tours. Donc c'est tu peux facilement dépush le easy camp. Et voilà. Wubi vient de l'intercepter. Pour pas que ce soit le easy qui le prenne. Allez, en attendant, reculer. Qu'est-ce que c'était malin. Et là, on va temporiser. On a le combat des hard camps sur la mid lane. Jaina qui va aller
wave clear tout ça. Alors Raynor passe où là? Il fait le grand tour. Bah parce qu'il y a Genji dans le buisson donc il peut pas passer par là. Ouais d'accord mais est-ce qu'il... Ouais il va défendre, ok il va défendre. Tyrande aussi, on fait le grand tour. Ah oui, oui c'est ça, ils sont obligés, hein. Il y a une énorme vague, hein. ça va prendre... Ça prend un wolf très facilement si tu le dépouches pas. Jake attend, va choper Judy, il y aura pas assez pour sécuriser un kill, mais ouais, c'est bien. Ça va être un... Parce qu'il y a les mi-flèches qui vont arriver. Eh la chouette. Oh là là. La communication de l'équipe. Le tu par contre tu pourras pas faire grand chose et on claque l'incensif côté Jake. Ah le E de Hanzo, oh, vous avez pas vu. Oh le mille flèches, parfait, il y avait la flèche de reconnaissance ouais, qui avait été utilisée, attention Jake. Il y a rien, c'est arrivé Tyrande hein. Ouais la chouette, oh là 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 le détail. Et il y a le stun encore. Tiré à la perfection par Demetas. C'est là où tu vois qu'ils sont juste trop forts en com, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour temporiser au maximum. Oh, tu dis, il se fait bloquer, Raynor hein, excellent contre Anubarak. Et derrière, on oh, bloqué, ça touche pas sniper. Ah Jay l'a bloqué et c'est un premier. Alors c'est normalement un tribut, on s'en fout, genre c'est le premier, c'est, ça change rien. Mais il y a tellement eu hein, une bataille et finalement c'est Dignitas qui gagne cette bataille de tribut, très bien joué. C'est super important quand même le premier tribut parce que on va dire qu'il y a un timing en fait où c'est possible que tu, deux tribus et derrière sur une phase assez compliquée, un échange compliqué, le prochain tribut arrive de ton côté. Tu sais par exemple sur une phase de tribut la prochaine phase, tu sais que ça fait par 3, par phase de 3, ouais, et ça peut arriver bah, que tu es le troisième tribut de ton côté derrière grâce à ce premier tribut qui a été récupéré en ta faveur. Voilà, là ils vont normalement avoir 2-0 en tribut parce que le prochain tribut, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est aléatoire, le premier au milieu forcément, et le deuxième sera soit en haut à gauche, enfin, il y a 4 possibilités, soit en haut à gauche, soit en bas à gauche, soit en haut à droite, soit en bas à droite. Là en l'occurrence, sera en bas à gauche, donc on sait déjà que le troisième il sera en haut à droite, mais ce qui est super intéressant. C'est que du coup les côtés d'Initas, donc ça va être dur pour Miracle d'aller jouer. Bah, ce qui est intéressant c'est plus tard, c'est pour ça que je te disais sur la prochaine rotation. Ouais, bien sûr. Parce que le prochain sera côté Miracle, donc ce sera pas évident non plus d'aller jouer pour Dignitas. Mais par contre sur le prochain trip, on pourrait avoir un tribut en faveur de Dignitas. En tout cas c'est pas mal. Ils essayent d'aller contest. La fameuse la Mopsio. On check les buissons avec la tête, parfois il n'y a plus d'eux. Ah, il le sait pas, il le sait pas. Ah, il le sait pas, il le sait pas. Attention, Jay, le stun super de Wubi, le kill de récupérer. Et Blue Beetle qui se retrouve inquiété pour Hulk. Blue Beetle qui est mort, il faudrait juste contester. Voilà, super. Oh là là. Le dans la mêlée pour amener Zaelia. Oh là là, c'est propre. Wubi encore une fois. Un super stun sur la backlane. Et Jay, hein, les deux. Hein. Les deux mêlées encore une fois à l'honneur. Hein. Wubi et Jay, un niveau d'avance maintenant. Wubi est chaud. Wubi est vraiment chaud ce soir, mais les gars. C'est clair. C'est clair et Jay également. Et en plus on a Hanzo, hein. Donc forcément voilà le boss a été fait très rapidement. On est déjà en train de push sur la bot lane. Garrosh qui est déjà en train de prendre la vague d'XP, on a une énorme avance pour l'instant. Niveau 10 hein. Au niveau du timing, on a deux tribus en plus en faveur d'Initas. Initas pour l'instant. Ils ont tous les avantages dans cette partie. Surtout que le pire c'est qu'on pourrait dire en late game, Miracle, blablabla. Plus ça va aller, plus les boss vont être importants et t'as en tout. Donc ça va être encore pire. Puis avec cette compo Miracle, alors ça veut pas dire qu'en late ils ont rien, hein, mais avec cette compo t'as envie de prendre des kills early, on va dire, t'essayes d'accrocher le mec, prendre un kill comme tout à l'heure sur Hanzo. C'est superbe, superbe ce que fait Dignitas, le T1 est tombé, on a encore quasiment tous les PV du boss, après c'est un boss early donc il fera pas grand chose. On va faire le hard camp, alors là ce qui va être intéressant c'est je pense que Dig va faire le hard camp, va siège mid et en même temps essayer de détag le tribut. C'est possible. Peut-être pas le jouer. Mais temporiser le tribut et mettre une pression en même temps mid lane. C'est possible, c'est clairement possible. Ce boss top il est pas accompagné hein, côté Miracle. Donc il va s'empaler sur le T1. Voilà, il est déjà mid live sur le T1. Dignitas qui a très très bien profité de son Hanzo pour accompagner. Et il a ouvert. Attention au placement des Miracles. Regarde le placement des Miracles. Je dis, il est pas vu. Ah ça y est. Et la Banshee. Alors on a Hanzo justement qui est en train de oh mettre... Attention Judy, le stun qui a été mis, le taunt d'envoyer, superbe de la part d'Initas, attention sur le bunker, c'est très très bon bunker. Nacho Jin qui se retrouve inquiété, l'aliénation qui est mise, mais c'est une aliénation défensive. Nacho Jin qui devrait tomber. Oh ma c'est bien ce que fait Dig. Et c'est une curse, malédiction dans le camp avec de Miracle, un hard camp en plus. Raynor qui va prendre justement l'XP sur la top lane, on va push mid lane avec ce hard camp. Et là c'est énormément d'XP qui va être récupéré pour Dignitas. Il pourrait prendre une autre vague, peut-être snitch top. Non, il a peur. Ah ils veulent mid. Ils veulent aller chercher un T2 mid hein. Ils peuvent aller loin là. Niveau 13 contre 11 et demi. On
On est bien. Ouais, on est déjà en train d'essayer d'ouvrir avec ce niveau 13, tu l'as dit. Il hésite, Raynor. Alors, je pense qu'il hésite entre le Q et la Moose Speed. On a vu que de la Moose Speed depuis tout à l'heure pour les Raynor. Alors, poil qu'il a, il a joué à Moose Speed tout à l'heure. Peut-être que là, vu que c'est Snitch. Il hésite beaucoup. Oh, c'est le Z qui augmente la durée, hein, je crois, du Z. Il y a un autre talent. Et oui, ça marche sur les copains. Ça marche sur les alliés, le Z. Comme à l'ancienne. Du coup, tout le monde bénéficie de la vitesse d'attaque. Et je crois que ça dure une seconde de plus. Attention, la charge, le 7ème. La torchère. Même la flèche est tombée. La flèche n'a touché personne parce que. DAK. Et attention, parce que c'est 2 T2. Hein. Ils peuvent avoir 2 T2. On voit le T2 bot qui prend énormément de dégâts. Ah, et Dignitas qui va se diriger sur la bot lane. Allez, dans la mêlée pour aller chercher. Oh là là. Quelle agression de Dig. Attention, Sniper. C'est dangereux ce qu'il fait. Et le deuxième T2 qui va tomber. Oh, il a du X-Strike. Il allait mourir. Poil qui s'allie à deux, ils ont failli tuer Sniper. On voit le Genji hein, qui est obligé de E-in pour mettre de l'agression, mais il a failli le payer de sa vie. Superbe. Oh là là, 2 T2, 3 niveaux et demi d'avance. 6 kills à 0. Ça, là, ils sont tellement mal. Ils sont tellement mal, Miracle, ici. Après, attention, Miracle a quand même une compo. Tiens, la Tempest, t'as beau être derrière. Bon, pas Tempest BlizzCon, hein. Tempest Mid-Season Brawl en mode on a une compo. Tu rigoles pas par contre, s'il te plaît. Mais une compo très en arrière, je dirais. Mais le truc, c'est qu'elle est quand même très playmaker. Ce genre de compo avec Miracle, quand vous êtes derrière, il faut y tenter des choses. Et Anubarak, hein, il suffit d'un bon cocon, une bonne engage. Attention, Judy. Judy, oh, j'y ai cru. Qu'on avait cancel le début de charge enfouie. Alors la charge enfouie, vous êtes insensible, mais il y a le début où vous pouvez vous faire cancel. Et on va attendre. On va attendre et le prochain. Heureusement que ça, voilà, ça met pas en CD. Hein. Heureusement, ça ne met pas en CD. Bien sûr. Sinon il était mort. Mais ça aurait pu tempo. Imagine une flèche de Danzo, etc. Il aurait pu mourir alors que la charge parte, hein, du coup. Et on attend. On tempo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu malgré tout, peut-être pour expliquer pourquoi justement ce camp de Easy n'est pas fait par Dignitas? Alors là, c'est une situation très compliquée, Malien, hein, puisque évidemment, non, je rigole, ils veulent attendre plus ou moins un objectif potentiel, retarder le plus possible. J'imagine la colle, je sais pas du tout. Voilà, on veut timer des objectifs potentiellement, et puis t'as le 16 aussi qui est tombé pour Dignitas maintenant. Maintenant, c'est à toi de passer à l'agression. Ouais, les trois vagues, enfin les trois lanes push. Ça. Top, c'est la seule où il n'y a pas de catapulte puisqu'on a encore le fort. Easy maintenant qui push. L'objectif qui va spawn bot. Le boss devrait pas tarder aussi. Oh là 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 là, le taunt qui avait été mis. Et le... Superbe. Superbe, Jay. Alors, le taunt contre, pendant le E. Il y a la flèche. Il y en a marre. Ouais. À un moment... il faut arrêter de sous-estimer les dégâts de ton équipe. Exactement. Walk. Parce que là, la flèche aurait pu être importante. Non, bien sûr. Nacho Chin. Oh là 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 là, Nacho. Nacho, bonne purge de Blue Beetle. La tranquille claquée. Jay, le bunker pour abriter un petit peu tout le monde. Blue Beetle qui se fait complètement zoner. Sniper aussi. Franquette. Ouais, Franquette sur le flanc. C'est bien pensé. Oh, il a été vu. Oh là 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 là. Et même ce scénario, ils l'ont anticipé. Mais ils voient tout. Les Dignitas. Rien ne peut leur échapper. Tel l'œil de Sauron. Ils arrivent à tout anticiper. Oh, les flammes de Wubi, puis plus le stun de Jay en même temps. Enfin, je dis ça, mais Sauron, il a pas tout vu venir. Non, mais là, superbe. Dignitas. Et là, c'est la game. Hein. C'est un boss qui arrive bot. Ouais, niveau 17 contre 14. Ça devrait être la qualification de Dignitas pour la grande finale. Dignitas. Et derrière, le cocon qui a été mis sur Raynor parce que Judy, il aurait pu passer un seul quart d'heure. Dignitas sur le rush de la victoire pour une qualif en finale contre son vieil ennemi Genji, la guerre froide, Generation Gaming, Dignitas, la flèche qui est tentée max range, elle était bien essayée ou bien attention à la petite euphorie là, attention à l'euphorie, Poilk, ça va aller pour Poilk, derrière on pourrait sécuriser peut-être le kill, et Sniper qui va tomber, il le savait, Miracle devait tenter, et Dignitas justement a essayé de couper l'herbe sous le pied. Jay qui va essayer d'aller choper Nacho Jin, Judy qui retente, mais Judy qui tombe. Dignitas en grande finale. Après avoir été mené 1-0, Miracle aura été un superbe adversaire TR. Mais Dignitas était préparé. Et Dignitas ira défier la super puissance Genji Esports en très grande finale. L'histoire s'écrira demain. Enfin, pas demain, non, je... dans la game d'après. Superbe game de Dignitas. Enfin,
Le match retour, les gars. Le match retour du MSB. Il y avait eu 4-3 justement pour Genji. Maintenant, 1%. On aura la revanche. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de map d'avance pour Genji. On part à égalité. Est-ce qu'on peut le rappeler quand même, Malga? Parce qu'au final, si on enlève la petite map d'avance qu'il y avait au MSB, c'était 3 partout. Le fameux débat. Et là, il n'y aura, aura pas cette map d'avance. Mais non, c'est la finale winner bracket. Il n'y a pas de loser bracket, évidemment, mais c'est la finale winner qui... Voilà, dans un mid-season brawl, ça aurait été la finale winner. Donc, ça va être super plaisant de voir, évidemment, Dignitas en grande finale. Alors, ces calculs mathématiques, il faut surtout pas les prendre en compte. Mais, forcément, dans nos têtes, Genji 3-2, la dernière, ils en ont chié. Dignitas, ok, la première a été dure, mais il menait quand même. Finalement, 3-1 contre Miracle. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais on a quand même eu des Miracles très, très, très solides. Ils sont bien défendus. Et Genji, enfin Genji, enfin si, les deux, Genji et Dignitas ont montré... Here. Congratulations. Amazing. Félicitations. Extraordinaire. Extraordinaire la prestation. On a envie de revenir sur la game numéro 1, évidemment. Je suis assez curieux par rapport à ce que vous avez pu penser. C'est comment vous avez attaqué la game 2, justement la deuxième partie, pour revenir, parce que c'est vrai que la première a été dure. Ouais, sur la deuxième game, alors on en a eu beaucoup de confiance parce que justement on a... non, mais ils ont réussi à reprendre le... Ouais, on savait que ça allait être une très très bonne équipe de toute façon. Si on jouait de manière propre, on savait qu'on pouvait gagner cette série. Donc la première c'était juste un revers et voilà. On a très bien attaqué la deuxième, ça nous a mis en confiance. Ouais, les plays sur le bunker étaient incroyables. Serveur des counters en engage, c'était incroyable. Alors est-ce que justement vous faites ça naturellement? C'est une très bonne question de la part de Kevin, notre prochain annonceur dans Heroes of the Storm. Donc, est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est senti? Every time these things go, he starts screaming bunker, and everybody immediately gets in the bunker. C'est Arnold Schwarzenegger, vous me dites justement bunker. I think for our team specifically, we like to like everybody brings individual plays to the table. Voilà, chacun fait des plays, machin. Get it in everybody's mindset how those plays work. Mais on sait tout, on sait comment ça se passe. Il y a un peu des deux en fait. On colle le bunker, mais derrière on sait comment l'utiliser. On a l'habitude. Notre travail d'équipe est très huilé. Et voilà, on utilise à chaque fois notre potentiel maximum. Ça me rappelle la blague de le Schwarzenegger. Get into the champa. Get into the bunker. Eh oui, le rêve arrive. Ça c'est dit en grande finale. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux fans, aux autres? Peut-être à Rich. Merci à tous. À chaque fois, les BlizzCon sont incroyables. Le public est toujours au rendez-vous, toujours fou pour nous supporter. On va faire de notre mieux. On a beaucoup bossé pour en arriver là. Et on espère être présent. Ouais, voilà. Voilà le tombeau. Ah, dommage, le stun de Kerrigan qui est pas passé. Le one shot sur Anub de réaliser le Maelstrom. Le fear qui a été mis. Est-ce qu'on pourrait sécuriser un kill? Et là, par contre, Sonia, ingérable là pour le moment.
Nacho. Pendant ce temps, le dominateur. Ah, le combo de Stitch qui passe mal. C'est le deuxième, malheureusement, dans ce teamfight. Aïe, aïe, aïe. Et là, en plus, on... Après, il y a le T2. Hein. Il y a toujours le T2. Menacé, Judy, Sniper. Le stun qui touche Sniper. Le combo qui est passé sur Nacho. On claque le nerf d'acier, le bouclier. Ah, pourra pas prendre le T2. Pourra pas prendre le T2. Et attention, Stitch. Stitch. Stitch qui est pas bien. Stitch qui pourra pas s'en sortir. Stitch qui pourra pas s'en sortir. Et du coup, ça pourrait tuer Zaelia, tout ça. Oh là 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 là. On a pris Banshee hein. D'ailleurs pour contrer Genji et Tracer aussi. Ouais. Oh jolie route, très jolie route du Thrall. Attention ça tient du côté de Johanna pour le moment. Le pack de soins qui a été claqué, le slip est bon de Blue Beetle. La purge de Zaelia, tranquillité irante. Sanctification de mise. Le bunker bon tempo, attention il faut rentrer sur le poids. Par contre la grille, l'extract. Triple Stitch. Et la pointe quantique de Poilk. Magnifique! C'est de retour! Oh, y'a les minions! Y'a les minions! Ah, dommage! Oh, il a fait tellement mal à Frog White! Attention, Wubi! Attention, Wubi! Bouclier mastodonte de claquer par Wubi! Il va avoir un énorme shield! Le tombeau sur Stitch! 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 L'éclipse et lune! La sanctie! Ah, ouais, bien joué! Bien joué! Bien joué! Parce que Judy aurait pu chercher. Ça fait mal de dire cette sanctie, mais elle est indispensable! Elle est indispensable! Oh attention, Judy! Oh, aïe! La boulette! Et attention, Judy, le stun maintenant! Ouais, le bunker pour s'abriter du slip. Diablo qui tombe, c'est pas forcément fini. Stitch sur Frog White! Stitch sur Frog White! Stitch sur Frog White! Le kid de récupérer, il tient avec le châtiment! Stitch qui s'en sort! Oh purée, il y a tellement en plus de respect de Stitch envers Frog White, mais il lui a montré qui est le patron là-dessus. Des miracles, regarde. Regarde le placement des miracles, Judy. Il est pas vu. Ah, ça y est. La Banshee. La Banshee. Alors on a Hanzo justement qui est en train de oh mettre... Attention Judy, le stun qui a été mis, le taunt d'envoyer, superbe de la partie d'intention sur le bunker. C'est très bon, très très bon bunker, très très bon bunker. Nacho Jin qui se retrouve inquiété, l'aliénation qui est mise, mais c'est une aliénation défensive. Nacho Jin qui devrait tomber. Oh ma c'est bien ce que fait Dig. Et c'est une curse, malédiction dans le camp avec de Miracle un hard combo.